Quoi? Quoi? Grou. Bonjour, bonsoir les gens. Gros bonjour, oui bien sûr, ça y est, les sous-titres commencent déjà, les conneries. Où y a les gens? Ici K.O. Roussayaka, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés à Troyes. Comment ça va les gens? Oui, j'étais en vacances, c'est ma faute. Ouais, c'est pas bien les vacances, faut arrêter d'être en vacances. Non mais dis donc, nous on a travaillé, hein. On a attendu ici pendant 3 semaines. 3 semaines, non mais le mec il exagère pas trop là. Alors pourquoi l'item il s'est pas envoyé? Ah oui, ah, attendez, non, ah, bah, en fait j'étais pas prêt. J'ai tout préparé sauf les items. C'est honteux, honteux. C'est votre faute. Non. Pour ma défense, c'est à cause de Saku, elle avait mis des moustaches et... Oui. Et ben voilà, moi ça m'a... Hein, vous comprenez? Oui, ça l'a perturbé. Bon. Voilà, tu vois, ah, c'est compliqué. Voilà, allez. Ah, c'était un burger. C'est bon les burgers. Bon, du coup, je suis en compagnie de Aya et de Saku. Comme d'habitude, je peux pas m'en défaire. Parce que sinon, j'avance pas. Bah oui. Et puis, du coup, aujourd'hui, on va sortir, on va partir d'Elpis. Je sais pas, du coup, ce qui nous attend, vous le savez. Ah, oui. Ivy le sait aussi, puisque du coup, elle nous a dépassé. Mais moi, je sais pas. Oh. Et t'as la nouvelle, la dernière zone, Ivy? Est-ce que t'es à la dernière zone? Non. Tu fais cinématique en tout cas. Ouais, cinématique. Mais ouais, du coup, on va quitter cette zone. Et puis, puis, on verra bien où est-ce qu'on arrivera à aller. Il faudra qu'on fasse les quêtes, quêtes bleues plus tard. Ouais. Bon, on y va? On y va. Allez, c'est parti. Alors, venir. Destin en marche. D'ailleurs, s'il y a un problème avec le son, le micro, vous le dites. Hein. Sakuchi, que ce soit clair. À l'heure qu'il est, notre rôle n'est ni de traîner Hermès devant la justice, ni de solliciter à nouveau l'aide des Metzelk. Non, ce que nous devons faire toutes les deux, c'est de prouver par le geste que ces quelques jours biffés de la mémoire de nos camarades ont bel et bien existé. Autrement dit, utiliser au mieux tout ce que l'on a découvert pour lutter contre l'apocalypse. Moi, dans mon époque, et toi dans la tienne. Il est temps de se remettre en marche au propre, comme au figuré. Viens, je t'accompagne jusqu'au propylé. Je suis à la fin du labyrinthe, quasi à la dernière zone. Elle a bien avancé. On est tout là-bas, dit. Petit panel. Alors, c'est où qu'on doit aller? Ah oui, là-bas. Au sud. Ah au oui, sud. On dirait le sud. Les gens, je suis en train de préparer. Enfin, c'est quasiment fini de préparer comment on appelle ça, les paliers du Donaton qui sera fait à la fin décembre. Ouais. Je serai sur FF du coup pour le stream de Meia. Je vous préviens, je vais me faire souffrance. No, oui. Mais genre beaucoup de souffrance. Pleurer d'avoir fait ça. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez. Je pense que je vais dévoiler la liste d'ici 10-15 décembre, histoire de laisser au moins 2 semaines de préparation. Que je vois encore comment se passent les giveaways, tout ça. Donc il y aura des giveaways, je vais avoir souffrance, et puis il y aura des commissions qui seront passées. Enfin bref, voilà, j'ai essayé de varier un petit peu, mais bon, pas trop, vu que c'est le premier. Et voilà, mais ouais, je vous préviens, je vais souffrir ma race. Enfin, il y a Kaoru et Selen qui vont surtout souffrir leur race. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant,
Mais ouais, d'ici 2 semaines, je pense que je vais publier la liste. Aya qui est déjà en face, hein, t'as vu, hein. Bah oui, je sais pas, t'as fait un espèce de détour, mec, j'ai pas compris. Oh, j'ai suivi le chemin. Je suis curieuse de voir en VF ce que donnera les cinématiques. Eh ben écoute, on va savoir ça tout de suite. Vous êtes sur le point de faire vos adieux à Vena et de retourner dans votre époque. Les scènes et cinématiques qui vont suivre sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue. Veuillez vous assurer du dispositif suffisamment de temps avant de continuer. On est là pour ça. Faites vos adieux à Vena. Heureusement qu'on n'a pas fait ça il y a 2-3 semaines. Hein. Bah là, on n'arrêtait plus là. Ah, pardon, c'est Kyle. On n'a pas le temps. Bien sûr que si, on a le temps. Les portes menant à ton époque se trouvent à l'intérieur, c'est ça? Oui, c'est ici que nos routes se séparent. J'aimerais rester encore un peu. Allez, j'aimerais rester encore un peu. C'est vraiment touchant. Cependant, tu te dois de réfléchir à long terme. Ton éther est relativement stable pour l'instant. Mais plus tu t'éternises de ce côté, et plus tu mets ton existence en péril. Retourne dans le futur, là où ton combat t'attend, et mets à profit tout ce que tu as appris ici. Fais-le pour Emmet Selk et Islodeus. Météion est là, quelque part dans l'espace. Ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, l'apocalypse sera à nos portes. D'ici là, nous autres humains devrons user au mieux de notre marge de manœuvre. Tenter d'élaborer une parade, chercher à nous aventurer au-delà de la planète. Il y aura de quoi faire. Le tout en veillant à maintenir le secret. Si je répète à qui veut l'entendre qu'une bonne partie des espèces désire renoncer à leur existence, la situation risque de vite m'échapper. Il faudra que je trouve des personnes dignes de confiance, avec qui je pourrai opérer lentement, mais sûrement. À vrai dire, ce n'est pas l'envie d'avertir le Concile qui manque, mais cela irait à l'encontre de l'évaluation impartiale voulue par Hermès, et j'aurais peur de sa réaction. Je ne voudrais pas qu'il se crée un schisme entre lui et les 14, car je perdrais l'une des seules personnes à même de m'aider à contrecarrer l'apocalypse. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je vais devoir faire bande à part. Dans tous les cas, le seul moyen de nous en sortir est d'apporter une réponse claire et nette à la question d'Hermès. Autrement dit, de prouver que l'humanité est digne d'exister. Le tout est de savoir quoi faire face à l'apocalypse, face au désespoir et à une mort aussi aberrante qu'inéluctable. Si notre seule réponse est la sidération, alors notre planète connaîtra le même sort que toutes celles qui ont échoué à surmonter cette ultime épreuve. Il sera inutile de chercher à arrêter Météion, car nous aurons d'ores et déjà perdu. Voilà pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour lutter contre la désolation en comptant sur la force du nombre. Mobiliser la population à l'échelle de la planète sera une tâche longue et ardue. Malgré tout, j'ai foi en l'être humain. J'ai toujours préféré voir son potentiel plutôt que ses limites. Et c'est pourquoi je ne baisserai pas les bras. Une nouvelle histoire va s'écrire, séparée, je suppose, de celle que tu as connue. Encore qu'elle pourrait se rejoindre à un moment ou à un autre, compte tenu de l'amnésie de certains de ses acteurs. Qui vivra verra, comme on dit. Dans tous les cas, je tâcherai d'agir au mieux, en me gardant de prendre ton récit pour argent comptant. Quant à toi, tu dois continuer d'aller de l'avant, jusqu'à ce que cette histoire soit terminée, jusqu'à la fin. Marche tout droit, et j'en ferai de même. Avance d'un pas assuré, et tous ceux qui croient au lendemain de notre espèce te suivront, j'en suis certaine.
Et si enfin, au bout du chemin, toi et moi, je veux dire, l'humanité trouve en elle la force d'affronter le désespoir, alors nous pourrons remettre à sa place la chantre de l'anéantissement. Il suffira de clamer haut et fort notre réponse. À quel point nous refusons que l'aventure s'arrête ici. Ce sera notre promesse. Je compte sur toi, lueur d'un lointain futur. Adieu, ou peut-être à la prochaine. On rentre à la maison. Heureux d'être le bienvenu parmi vous. Je suis le nouveau Van Daniel. Est-ce que je vais pleurer une deuxième fois? Oui. Oui, cette cinématique purée. Bon, donc du coup, on revoit Amoroth tel que Emmett Selk nous avait montré, mais en vrai. Au moment où tout se... Se délabre. Au moment de la coupe de l'apocalypse. Voilà que j'étais rendu à ce moment fatidique. Où depuis la terre, je regardais le ciel brûler. Où la tristesse faisait choir les étoiles et le chagrin troublait les océans. Où la résignation putréfiait des forêts entières. Où la terreur retournait notre magie contre nous. C'était le désespoir des trépassés qui revenaient nous hanter. Ceux qui avaient échoué à bâtir un monde meilleur entonnaient à présent cette funeste mélodie. L'oiseau qui avait fait son nid aux confins de l'univers n'avait plus rien d'un innocent familier. Il était devenu l'anéantissement incarné. Ce jour-là, la moitié de notre espèce offrit sa vie en sacrifice pour créer Zordiark. Enveloppant Eteris dans un épais manteau d'éther, repoussant l'apocalypse. Restait un sentiment tenace de désolation. L'humanité avait été profondément meurtrie par cet épisode aussi sanglant qu'inimaginable.
La douleur inédite était presque insoutenable. À tel point que beaucoup préférèrent se rabattre sur le souvenir des jours heureux et indolents. Ce spectacle est insupportable. Pourquoi devons-nous souffrir un tel martyre ? Il nous reste une dernière chance de mettre fin à ce cauchemar. Nous devons faire table rase de tout. Retourner à notre monde idyllique. À notre paradis. Non, surtout pas. Voyez-vous, nous venons de faire la douloureuse expérience de l'affliction et du désespoir. Ces sentiments que nulle civilisation n'est parvenue à éradiquer. Ces affres dont tout être vivant doit prendre son parti. Ne jetons pas un voile pudique sur la tragédie. Gravons-la dans nos mémoires et battons-nous pour nous relever. Ainsi seulement trouverons-nous la force de vivre. Je n'y crois pas. Un tel cauchemar, ça ne peut pas être la réalité. Nous avions bâti un monde idéal. Débarrassé de toute noirceur. Faux. De la noirceur et des malheurs, il y en avait partout dans le monde. C'est simplement que l'homme en était épargné. Je vous en prie, ouvrez les yeux. Sacrifiez toujours plus de vie pour en ressusciter d'autres, en rêvant que tout redevienne comme avant. Est-ce là votre définition de la vertu ? Ne soyez pas de ceux qui ne peuvent vivre qu'au paradis. Acceptez qu'il ne puisse y avoir de tableau sans ombre. Sinon, vous courrez droit à votre perte. Zordiark, toi qui incarnes notre ultime chance de salut, puisses-tu exaucer nos prières. Accepte le sacrifice de nos âmes. Dévore et tisse des vies encore et encore, jusqu'à enfin pouvoir nous reconduire en ce temps-là. Le temps où nous aimions notre planète autant qu'elle nous aimait. Celui du bonheur pur et parfait. Que comptes-tu faire ? Détruire notre beau monde ? De ces plaines qui s'étendaient à perte de vue, au ciel où mon regard se noyait, en passant par la respiration calme mais assurée de la nature. Sans oublier la vie en son sein, la lueur d'un foyer, le bruit d'une conversation, tous ces détails qui ne manquaient jamais de me réchauffer le cœur. Et plus encore. Les rencontres, ces gens que je chérissais du plus profond de mon être. C'est malgré... Non. Grâce à tout cela que je continue fermement d'y croire. L'être humain a de la ressource. Il peut s'adapter à n'importe quelle circonstance. Je vais vous briser, ainsi que votre divine expédient, en fragments qu'il sera impossible de recoller. L'homme a chuté du paradis. Ses ailes jadis si puissantes se sont déchirées. Il n'a désormais d'autre choix que de marcher.
Votre corps sera perclus de douleur. Votre poitrine sera serrée. Votre respiration laborieuse. Dans le monde qui s'en vient, vous connaîtrez l'adversité comme toutes les autres espèces. Vos vies défileront en un clin d'œil. Elles seront tumultueuses et feront la part belle à la découverte. Vous naîtrez et mourrez à un rythme effréné en vous posant cette inévitable question. À quoi bon nous avoir donné la vie si c'est pour nous la reprendre? Tel sera votre cri du cœur. Vous serez incomplet et de ce fait, contraint de poursuivre une quête sans fin. Cherchez-la donc, la force de toujours avancer, même si c'est vers votre chute. La raison intime qui vous pousse à poser maladroitement un pied devant l'autre. Plongez au plus profond des ténèbres et trouvez-y votre bonheur propre. Cette lumière que le désespoir ne saurait éteindre. Désormais, nous partageons le même espace-temps. Lorsque tu auras surmonté toutes les rudes épreuves qui t'attendent, alors seulement le sens de mes paroles se révélera à toi. Accomplissons ensemble la promesse que nous nous sommes faite il y a bien longtemps de cela. Ibi. A vu, hein? Ah ouais. On a vu Emmett Selk. Enfin, on s'est vu devant Emmett Selk en train de marcher devant lui. Il y en a eu des trucs, hein. Alors, du coup, on n'est pas dans la même. Pas dans la même instance. On va aller à Charlayan, du coup, où on sort et je vous TP. Alors, que tu veux. Allez, je sors et je vous TP. Ah, bon. Arrêtez de me bully. Je vais trop vite. C'est pas bien. Pour une fois que je dépense mes petits. Pour une fois que je dépense mes petits sous. Alors, attends. Vieille Charlayan. Ivy. Ivy, tu vas être ban. Tu as encore pleuré? C'est pour ça que tu me bullies, c'est ça? C'est pas bien. Chasse académique. F-
faudra vraiment qu'on fasse les quêtes bleues à un moment. Alors du coup, on doit aller où? Ah, avec des élèves de Baldossion. Et oh, ça va, hein? Dis donc, hein, ouvre ta carte. Bah, mais gros, laisse-moi le temps de l'ouvrir au moins. Ah, Baldossion. Voilà, elles sont en retard. Voilà. En tout cas, c'était intéressant. J'ai hâte de voir la suite du coup pour savoir comment ça va se conclure. Attendez, vous allez m'entendre claquer. Voilà. Je vais finir ma cinématique. Oh. T'es où? Pas là. Ah bah non, ça je sais qu'elle est pas là. Elle dit, elle termine ce qu'elle fait avant de rejoindre la dernière zone. Mmh. Ah oui, c'est vrai, t'es au labyrinthos. Bon, c'est quand tu veux. Alors, Krill. Ça alors, Sakuchi, on ne t'attendait plus. Les autres nous ont appris que tu avais voyagé dans le premier reflet pour enquêter sur l'apocalypse. À vrai dire, il s'en est passé des choses pendant ton absence. Et pas que des bonnes, loin de là. Enfin, on ne va pas bouder le retour de notre aventurière préférée. Bienvenue à la maison, Sakuchi. Porte Krill. Notre chanson. La reine des la neiges. La reine des neiges. Lol. Il y a plein d'amis. Je suppose que tu en sais désormais plus sur l'origine de l'apocalypse si tu es de retour. Enfin, une bonne nouvelle. J'ai hâte que tu me donnes tous les détails, mais attendons d'être au complet. Et il faut que je te parle de l'incident qui nous préoccupe présentement. Si tu te souviens bien, chacun était parti de son côté afin de poursuivre différentes pistes. Alfino et Alizé faisaient le tour des nations amies pour voir comment s'en sortent les victimes de l'apocalypse. Ils espéraient aussi en apprendre plus sur sa progression. Lors de leur enquête, il s'est avéré que Locus Ammonus, l'ancienne région de Corvos, avait été gravement touchée. Sancred, Estinia et Graa ont donc été dépêchés là-bas avec des soldats alliés pour leur porter secours. Malheureusement, Locus Ammonus est bien trop vaste pour le peu qu'ils étaient. Leurs efforts se sont donc concentrés sur un village côtier. Malgré ça, ils affirmaient dans leur dernier rapport avoir réussi à sauver beaucoup de gens. De son côté, Yeshtola a demandé conseil à Maître Matoya afin d'entrer à nouveau en contact avec Aydelin. Elles prospectent toutes les deux en ce moment même dans la mer des étoiles. Quant à Tataru et moi, nous avons fouiné par-ci par-là pour en apprendre plus sur le plan du grand exode du conseil. Il comprendrait la conception d'un véhicule capable de transporter personnes vivres et matériels jusque sur la Lune. En revanche, il ne serait pas encore opérationnel et nous n'avons aucune idée de ce qui coince. Pourtant, Charlayan a déjà proposé aux Tavernerois de les relocaliser là-bas. Evritra, en sa qualité de nouveau satrape, a annoncé à son peuple que chacun était libre de suivre l'échappatoire offerte par Messire Fourchenot. Dès lors, on est en droit de se demander comment Charlayan compte honorer sa promesse sans ce fameux moyen de transport. Fort heureusement, les membres du conseil sont tous sauf mal renseignés et savent déjà pour le téléporteur que nous avons découvert dans la tour de Babil. Vu l'urgence de la situation, ils en ont fait leur plan de rechange afin que les Tavernerois puissent s'abriter. Quand nos amis l'ont appris, ils ont jugé bon d'envoyer une escorte pour protéger les aéronefs sur la longue et périlleuse route qui mène à Garlemalde. Alfino, Alizé, Estinia et Graa, ils sont partis là-bas, mais... En progressant vers l'intérieur du continent d'Ilzabard, ils ont remarqué que les signes de l'apocalypse étaient apparus en Garlemalde. Les monstres et les phénomènes météorologiques les ont surpris à leur arrivée.
Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle, que ce soit de Messire Fourchenot, des Tavernerois ou de nos amis. Je m'en veux de te demander ça alors que tu viens à peine de rentrer, mais ils ont besoin de toi. Je t'en prie, vole à leur secours. C'est leur marde. Ah bah c'est l'apocalypse, hein. C'est pas une rêve partie. Hein. Ah bon? Merci, ta confiance suffit à balayer mes inquiétudes. Dans leur dernière transmission, Alfino et les autres disaient qu'ils s'étaient regroupés au camp Bride-Glace et qu'ils allaient partir à la rencontre des Tavernerois. Lucia les aura vus se mettre en route, alors je pense que vous devriez vous renseigner auprès d'elle pour commencer. Bonne chance, Sakuchi, et prends garde à toi. Prends garde à toi. Alpha et Omega, ils apparaissent en furtif, alors je me permets de dire ça. Alors. Alpha, il va passer au four. Non. À la rôtissoire. Alpha. Yipipou, Alpha. Bon, faut aller à Garlemald. Ouais. Bah, du coup, Aya, c'est déjà TP. Attends. Ouais. Je te fais le TP. Ah, moi, elle m'a pas attendu. Du coup, j'ai pas le TP. Désolé. Mais y a pas de souci. T'as vu, elle nous fait dépenser des soupouilles, hein. C'est honteux. Alors, du coup, elle est où? Elle est là. Ah, on va devoir se dégrouper. Ouais, va y avoir une bataille. Oui, tapis. Ah oui, ça va être la grosse bataille. La grosse. C'est ta grosse. La grosse bataille. Ouais, la grosse. La grosse. Sakuchi, ravi de vous voir. Vous ne serez pas de trop. L'apocalypse progresse et englobe désormais toute cette région. Regardez ce ciel en proie aux flammes. Il brillait encore d'une lueur froide lorsque vos amis héritiers nous ont rejoints. Peu après, les membres du conseil de Charlayan qui accompagnent les réfugiés Tavernerois nous ont prévenus de leur arrivée imminente. Tout semblait se dérouler pour le mieux. Mais soudain, le ciel s'est enflammé. Alfino et les autres ont alors décidé d'aller à la rencontre des aéronefs dans le Magna Glacies. Mes troupes ont dû rester ici pour assurer la protection du camp, mais j'ai tout de même trouvé quelqu'un pour les épauler. Mais assez parlé, le temps presse. Partez pour le Magna Glacies dès que vous serez prête. Ils auront besoin de votre aide. Les cinématiques qui vont suivre, nanana, bon. Bébé. Allez, tapis. Vous êtes prête? Oui, je suis déjà partie. Bon, bah on fait demi-tour alors. On rentre à Crystarium, hein, c'est calme là-bas. Un peu plus tôt dans le Magna Glacies. Attends, parce que j'ai un léger retard. Hein. Attention, ça va être doublé, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut mériter ça. On était venu là pour être sauvés. C'est magique. L'apocalypse. Oh, qu'il est pas beau. Quelle tête. Ne cédez pas à la panique. En position de défense. Arrêtez de courir dans tous les sens et suivez-moi. Vous, ici? Père, les héritiers sont avec vous. Continuez à guider les gens en lieu sûr. Thank you.
m'occupe de ces gros tas. Ça ira à toi. Aucun problème. Je me charge de soigner les réfugiés. Alfino, je compte sur toi. Il n'y a pas à dire, hein. Estinien, il a quand même la classe hein, sur cette expansion. Allez, on va jouer sage. Oh non! Oh purée. Ouf. Oula. Alors, Hein? Oui, alors. Alors. Bon, désolé les réfugiés, vous allez mourir. On va les soigner, hein. Je m'en occupe. Respirez profondément. Si j'ai level up à Yasaku. J'ai. Ne t'en fais pas, je m'occupe d'eux. À toi et à tes amis de vaincre ces monstres. Bah oui, hein, nous on va faire le sale boulot, hein, évidemment. On a level up en soap, c'est trop mimi. À un level prix, vous étiez. Tu étais pile à la moitié. Ah oui, non, pardon, autant pour moi. Je sais plus compter. Bon, je confirme, j'aime pas ça. Genre. Ouais, ça va, t'as des techniques de soins et de. Ah oui, il faut soigner Stinia, hein, sinon copain. Le copain pas être bien. Ah oui, il prend cher aussi, copain. Hein. Je peux plus casse. Hein. Ah oui, bah oui, j'essaye de l'attaquer, je suis con. Faut être avec lui. Mais... Oh, je sens qu'il y en a un que je vais ban. Et la victoire m'appartient.
T'as envie d'avoir un Théo, Yari? C'est gratuit, hein. On va le soigner. Mimi. Ça va, ça te défoule? Ouf, ça y est, fini. Oh, elle était pas jolie, hein, madame. Ses compagnons d'armes, ils sont donc complètement rétablis. Je m'en serais voulu d'arriver trop tard une fois de plus. Battons-nous, camarades, pour tous nos compatriotes qui ont la chance d'avoir la vie sauve. Non, elle a pas mouru. Cette fois, c'est à nous de secourir nos alliés. Pour Garlemald, avec force et honneur. Allons leur donner un coup de main. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Impériaux sont nos ennemis pourtant. Mince, j'ai pas réussi à tous les avoir d'un coup. Et maintenant, Alizé, on se replie? Hors de question. En attendant son retour, c'est à nous de protéger ce monde. Déjà que ces pauvres gens ont été transformés en monstres, on ne peut pas en plus les laisser faire du mal à leurs proches. Il faut les arrêter. Tu as raison. À partir de maintenant, on donne tout ce qu'on a. Et advienne que pourra. D'accord. Mais fais quand même gaffe à pas tomber à court des terres, hein. Sur ce... À l'attaque! À l'attaque! Allez, on va jouer à Alizé. Ouais, on va jouer à Alizé.
mis la dame en haut rouge. Oui, mais c'est Alizée, du coup, c'est la sœur d'Alfino. Tu la verras... Ah, tu la verras dans pas longtemps, d'ailleurs. La fin d'Evan's World. Fin Evan's World ? Ah oui. Mmh. Oui, effectivement, ouais. Ouais, donc si... Voilà, à ce moment-là. Hein, quoique à la fin de d'ARR il pourrait la croiser un petit peu. C'est rare mais il peut la croiser. C'est pour Bahamut tu la croises. Oui mais bon. Faut qu'il fasse Bahamut quoi. Oui. Ouais sinon ouais c'est fin Event Sword. Hein. Je tire toujours. L'air est très instable. Vite, à l'abri. Oula, 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 oula. Kibi. Tu viens de battre la patrouille impériale avec Cid. Ouais, je vois où t'es. Ouais, t'es vraiment pas loin de Castrum, du Praetorium et de Ultima. C'est bien ce qu'on pensait. Plus une seule goutte d'éther dans ces créatures. Elles sont perdues à jamais. Merci. Vous nous avez sauvé la vie. C'est bien vous qui nous avez secourus au temple du Purusa, n'est-ce pas? Mais oui, tu es de l'écoute des Palakas. Contente de voir que tu vas bien. Tu es blessé. Ne bouge pas, je vais te soigner. Ouais, avec sa coupe, on dirait tellement un oignon, sa tête et ses cheveux là. Mais oui! Mais oui! Attention! Partez d'ici! Vite! Je ne te laisserai pas faire. Il y a trop de gens qui comptent sur nous. Et là, on arrive. Apocalypse ou pas, je ne te laisserai pas ruiner leurs espoirs. Mince alors. C'est pas avec un genou à terre. Papa me verra voler de mes propres ailes. Ni que j'arriverai un jour à sa hauteur. Lui qui est devenu la lame des Orzea, et même ma lame, je ne peux pas le laisser lutter seul éternellement.
Rio. De t'avoir fait attendre, tu t'es bien battu, Alizé, ça manque encore d'entraînement. J'avais la situation bien en main. Ah, te revoilà. Prêt à passer à l'action ? Débarrassons-nous de ce gêneur. Alors la tête ne va pas du tout avec l'armure. Tu sais que je peux te ban, hein. Oui, Akileri. Comment tu vas? Et coucou, bien sûr. 3 heures après, pardon. Désolé Kiri, on est en plein fighting. Fight tout. Après les cinématiques du combat.
Pouf. Ibi. C'est pas évident. Hein. Vous en êtes où? Bientôt fini. Bof, je m'ennuie, je sais pas quoi faire depuis cet après. Moi, j'attendais la fin de cinématique pour sortir de l'ombre et vous trois. Bah écoute, nous, ça va. On a quitté Elpis. On est en train de se battre contre des monstres. Ah, mais ouais, si tu voulais, tu aurais pu demander pour faire montez les... vite à bord. Nous allons bientôt décoller. Les daily, hein. Il y avait pas de sushi, hein. On va se réfugier à Charlayan maintenant? Qu'est-ce qui nous dit qu'on y sera à l'abri? Bien que le satrape m'ait confié votre protection, je vous ai mis en danger. Et plusieurs d'entre vous ont même péri par ma faute. J'ai échoué, et je n'ai aucune excuse. Dans le même temps, l'apocalypse continue de s'étendre à travers le monde. Et je ne peux vous garantir que vous serez en sécurité à Charlayan ou ailleurs. En revanche, je peux vous promettre que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous sauver. Si je veux vous emmener à Charlayan, c'est parce que nous sommes à un cheveu de mettre au point un moyen de voyager vers la Lune. Lorsque tout sera prêt, vous pourrez vous y envoler en compagnie des Charlayanais et du matériel nécessaire pour commencer une nouvelle vie. Par contre, y arrive, fais gaffe, hein, parce que là, du coup, ça va spoiler un max. Hein. Merci. Nous vous faisons confiance. C'est vrai qu'il y a la déserte de Shira. Il y a à moitié l'histoire, que tu veux qu'il soit spoilé. C'est pas faux. C'est honteux. C'est vrai, c'est honteux. Vous avez décidé de changer de destination. Le peuple de Razatan a déjà bien assez souffert. Même si Garlemald est proche, tenter de s'y rendre reviendrait à courir au massacre. En effet, cela serait très risqué. Je compte sur vous pour faire en sorte que tout se passe bien. Tu as bien grandi, Alfino. Ça y est, il s'aperçoit que son fils, c'est un homme maintenant. Sa fille aussi, d'ailleurs, c'est une femme. Et puis des petits enfants. Regardez, là-bas. Décidément, il refuse de crever, cela. Oh bah dis donc. Zenos. Oh bah. Oh, celui... Notre amoureux. Hey, alors, amoureux, il est là. Alors je premier degré, je l'avais complètement oublié, hein, celui-là. Tout va bien se passer. Dépêchez-vous d'embarquer. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Quand je vois une créature pour la première fois, je ne peux m'empêcher de la prendre en chasse. Malheureusement, quelle déception. Elle était si faible que j'ai à peine pu m'échauffer. T'échauffer? Me dis pas que tu veux ta revanche dans un moment pareil. C'est la raison même pour laquelle je suis revenu à la vie. La seule et unique pensée qui occupe mon esprit. Cependant, je vois que tes yeux sont toujours braqués sur notre proie. La flamme qui brûle en toi ne m'est pas destinée. Et je n'y changerai rien, même en ensevelissant ce monde dans la colère et le désespoir.
Bibou. Je vais donc continuer à aiguiser mes crocs, en attendant patiemment de mériter ton attention. J'ai level up, Ivy. Toi, qu'est-ce que tu racontes ? L'Empire de Garlemald est en ruine. Notre chère patrie. Le pays que tes ancêtres ont bâti. Notre fière capitale est détruite. Tant de nos frères et sœurs ont perdu la vie. Nous autres soldats, on est préparés à mourir à la guerre. Mais as-tu seulement idée du nombre d'innocents sacrifiés durant ce conflit ? Des camarades, des familles qui se sont entre-déchirés sans même savoir pourquoi. Quant à ceux qui ont pu survivre en gardant toute leur tête, ils ont fini par mourir de froid. Les gars de la délégation d'Ilzabard m'ont dit que t'étais responsable de tout ça. C'est vrai ? Mais pourquoi, bon sang ? C'est la vérité même. Pour pas grand-chose, au final. Quoi ? Zenos ! Je vais te tuer ! Julius, tu dois garder ton calme. Pas pour Zenos, mais pour ton bien. Si tu te laisses envahir par la colère, tu pourrais te transformer en monstre, toi aussi. Tu voulais une raison ? Hein ? Tu m'as demandé pourquoi. Comme si une raison allait t'aider à accepter la réalité qui se trouve sous tes yeux. Si c'est le cas, tu n'es qu'une bête écervelée, qui ne mérite rien d'autre que d'être chassée. Raison, justification, de simples outils pour écrire sa version de l'histoire. Il en va ainsi partout dans le monde. Et Garlemald n'étant rien différent. Combien de fois a-t-on vu des conflits dénués de sens brouiller la frontière entre le bien et le mal ? Et la populace, les gueux qui, comme toi et tes petits camarades, croient aveuglément en une justice qui n'est rien d'autre qu'une illusion. Et voilà qu'un de ces gueux me demande pourquoi. C'est d'un grotesque. À quoi bon chercher chez les autres des raisons d'accepter la réalité ? Tu auras beau remuer ciel et terre, tu ne trouveras que mensonges et opportunisme. Pour donner un sens à son existence, on ne doit jamais compter sur personne d'autre que soi-même. Vas-y. Pointe ta lame sur moi. Donne-moi une autre occasion d'aiguiser mes crocs. Ton existence même est une insulte à tous les Garlemaldais. Tu mériterais de subir au centuple la douleur de ceux qui ont souffert par ta faute. Mais comme l'a dit Alfino, recourir à la violence ne ferait que provoquer une tragédie plus grande encore. Et moi, je ne veux pas perdre un camarade de plus. Va-t'en. Pars et ne te montre plus jamais devant nous. Zenos ! Tu as une conception bien tranchée de l'existence, et c'est ton droit. Mais si tu continues à mépriser tes semblables, tu resteras toujours désespérément seul. Tu crois vraiment que quelqu'un se soucie de ta foutue revanche ?
Au lieu de toujours te servir des autres pour ta propre satisfaction, tu devrais essayer de partager les plaisirs de la vie avec eux. Ça te changerait. Et si tu préfères rester comme tu es, alors profite bien de ta solitude et continue à t'attirer la haine du monde entier. Dis-nous. Je crois qu'on a deux amoureuses de Zenos. Je n'aime pas, moi. Ah bon ? Les réfugiés sont sur le point de s'envoler. Mais mon aéronef va rester stationné ici dans l'immédiat. Si vous le désirez, vous êtes les bienvenus à bord. Et pourquoi ? Sans l'intervention des héritiers de la 7e aube, qui sait ce qui aurait pu se passer ? Même si nous ne partageons pas la même vision, votre aide est hautement appréciée. Nous vous remercions pour cette attention. Mais pourquoi votre aéronef ne décolle-t-il pas avec les autres ? J'ai l'intention de me rendre à Garlemald pour informer la délégation d'Ilzabard. Après ce qui vient de se passer ici, il en va de ma responsabilité. Dans ce cas, permettez-nous de vous accompagner. Grâce à nos relations avec les deux parties, nous pourrons certainement nous rendre utiles. Julius, tu veux bien te joindre à nous ? Je profiterai du trajet pour te raconter ce qu'on sait sur l'Apocalypse. Il y a un job de plus, Nonante. Je viens de passer le sage grâce aux quêtes. GG ? Prends le sage, quoi, s'il vous plaît. Voilà ce qui s'appelle voler de ses propres ailes. Et ouais, c'était gamin. Hein. C'est plus des enfants. Chut. Lui dis pas. T'es vu, hein? Non, pas possible, t'es en cinématique. J'ai stream à côté, patate. Ah, oui. Et j'ai entendu aussi. Et écoute, regarde-toi comme patate, hein, regarde. Hein, on est trois patates ici. Dis donc. Attends, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Certains, ils sont passés dans ce chaos. Je pense tout de même qu'on a fait du mieux qu'on a pu compte tenu des circonstances. Oui, parce que moi, j'ai pas encore doublé de... Hein, une seule fois. Alors quand même... Oh là là, le pauvre, il a pas parlé. Tu t'es fait attendre, heureusement que tu étais là. Oh là là. Ouais, hein, je suis pas payé pour rien faire. Je suis pas payé tout court, d'ailleurs. Mais t'es pas payé tout court. Mais moi, j'ai été surpris lorsque le ciel de Garlemald s'est embrasé. On va passer à tous les jours. Heureusement, Julius et toi être arrivés à la rescousse. Entouré d'amis comme ça, j'ai très vite regagné en assurance. Ne t'en fais pas pour nous, nous allons mieux maintenant. Lucia et le mage qui m'ont désengoûté m'ont expliqué ce qui s'est passé la nuit après que nous sommes arrivés dans votre camp. Vous meniez une opération militaire de la plus haute importance et malgré cela, vous avez pris le temps de nous sauver. Une seconde fois, qui plus est. Tout se bouscule encore dans ma tête, mais je tiens à ce que tu saches au moins ça. Je vous suis à tous reconnaissant. Alone soit loué, vous êtes tous indemnes. D'accord, elle est pas bavarde. Hein. Laissez-moi. Je suis uniquement là pour parler à la représentante de la délégation d'Ilzabard. Ouais, il est pas bavard le papa. Hein.
Selem, je sais que c'est pas le moment, mais tu peux me... Peux-tu me dire au moins une chose? Comment vont Lina et les autres? Crystarium s'en sort? Tout va bien. Je peux m'en donner à cœur joie. Du moment que ça reste dans les limites raisonnables, elle s'en fait toujours autant pour moi. Heureux qu'ils aillent bien, en tout cas. Allez, vas-y. Guy, ce qui vient de se passer avec Xenos. Ouais, qu'est-ce que t'as? J'ai pas pu me retenir de lui dire ces quatre vérités. Et je regrette pas de l'avoir fait, mais... En y repensant, j'espère ne pas avoir envenimé les choses. Je m'en voudrais pour le restant de mes jours si quelqu'un subissait des représailles par ma faute. Merci du coup de main, au fait. Tu es tombé à pic. Un peu trop à mon goût, même. Alors, deux petites secondes. Un, deux. Non, mais là, t'as été trop vite, hein. Un, deux. T'as été trop vite. Un, deux. Hop. C'est bon. Vas-y. Allô, allô. Les héritiers contre-attaquent. Vous allez bien? Quel soulagement. Oh, c'est doublé. J'ai expliqué en urgence la situation aux soldats impériaux guéris en espérant qu'ils vous retrouvent à temps. On dirait bien que ça a marché. Oui, ces renforts étaient un véritable don du ciel. Grâce à eux, de nombreuses vies ont pu être sauvées. Malheureusement, d'autres n'ont pas eu cette chance. Vous êtes bien Lucia Junius, représentante de la délégation d'Ilzabard. Mon nom est Fourchonneau le Veilleur. J'appartiens au conseil de Charlayan. J'ai level up Kinry. Permettez-moi de tout vous expliquer. Je vois. Cette fois, c'est sûr, ce sont des manifestations de l'Apocalypse. Même si la tournure des événements n'est pas celle que vous espériez, je suis convaincue que vous avez fait le bon choix en prenant en charge les réfugiés. À Garlemald aussi, des bêtes similaires sont apparues. Heureusement, elles sont peu nombreuses, puisque la capitale est presque déserte. Maxima est actuellement sur place avec des effectifs de la délégation pour chasser ces monstres et organiser l'évacuation des rescapés. Julius, que dirais-tu de les rejoindre avec tes camarades, une fois que tous les aéronefs auront décollé? Vous avez décidé de nous faire confiance? Si je mettais en doute tes motivations, je ne t'aurais jamais demandé d'aller prêter main forte aux héritiers de la 7e aube. Je te le demande aussi, de notre part à tous. L'Apocalypse gagne du terrain d'heure en heure, et nous avons plus que jamais besoin de votre aide. Le sang qui coule dans nos veines et les idéaux qui nous animent sont peut-être différents. Mais le temps n'est plus au conflit. C'est en nous alliant que nous construirons notre futur. Vous pouvez compter sur nous. Pour mes compagnons et moi, la protection de Garlemald a toujours été une priorité absolue. Très bien. Il est temps que je retourne à mes responsabilités. Merci à tous pour votre précieuse coopération. Juste une seconde, s'il vous plaît. Si vous le permettez, j'aurai une faveur à vous demander. Si c'est pour me faire part de tes réserves au sujet de notre projet, je n'ai pas besoin d'en entendre davantage. Non. Au contraire, je voudrais profiter de cette occasion pour vous demander des éclaircissements.
le projet de grand exode de Charlayan. J'aimerais que vous l'expliquiez en détail. Peux-tu me promettre que ta véritable intention n'est pas de nous faire obstacle ? Je vous en fais le serment. Venant de quelqu'un d'autre, j'aurais beaucoup de mal à y croire. Mais depuis ton plus jeune âge, tu as toujours tenu ta parole. Soit, je vais m'entretenir avec le conseil à ce sujet. Si la réponse est positive, j'enverrai un messager chez les élèves de Baldition pour te prévenir. Es-tu satisfait ? Oui, je vous remercie. Parfait. Pour commencer, rentrons à Charlayan. Je parie que tout le monde a hâte d'entendre ce qui s'est passé dans le premier reflet. Hein ? Vous n'avez rien entendu ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Un papa ! Oh ! Allô pour une zombie. Oh, un papa. C'est con que t'as les lunettes parce que le Lala il fait de ses yeux. Ah bah. Albi, des papas. Je dis toujours que la lumière de l'aube peut bien dissiper la plus sombre des nuits. Mais je n'aurais jamais cru retrouver mes camarades héritiers dans un endroit pareil. Au four, les papas. Bonjour, mes amis. Finalement, j'ai décidé de rentrer. Qui ? Urianger ou Poudingway ? Urianger ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'avez pas froid habillé comme ça ? C'est une longue histoire. Et oui, je suis frigorifié. Malgré les manifestations de l'apocalypse, aucun être humain n'est encore venu se réfugier sur la Lune. Comme personne ne nous a contactés, on s'est dit qu'il y avait peut-être eu quelques imprévus. Du coup, on est venu vous donner un petit coup de patte. Et puis, à force d'entendre les histoires du Rianger au sujet des Terris, on a eu envie de voir ça de nos propres yeux. Avec l'apocalypse qui s'annonce, c'est sûrement notre dernière chance de visiter cette planète avant qu'elle ne disparaisse complètement. Ah, si Rianger dit vrai, on trouve plein de flancs encore meilleurs que les siens ici. Il faut absolument que je goûte ça. Non mais dites donc, il y a des façons de s'exprimer enfin. Je disais donc, quels que soient les projets des humains sur la Lune ou ailleurs, nous sommes venus ici pour nous rendre utiles. Aideline nous a donné naissance dans son profond désir de protéger la vie. C'est donc notre mission de vous accompagner dans cette épreuve, mais aussi notre plus grande joie. Ouais, bah Aideline, elle aurait pu choisir autre chose que des pimpins quand même, hein ? Elle aurait pu choisir des petits renards. Seulement, la distance entre la Terre et la Lune est telle qu'il nous est impossible de vraiment comprendre votre manière de penser, ou comment vous vivez. Mais les renards, ça vit pas sur la Lune. En écoutant Urianger. Pourquoi, t'as déjà vu un lapin sur la Lune, toi ? Vas-y, hein ? Va voir. Eh ben, dans les légendes japonaises. Le lapin, c'est sur la Lune. S'il vous plaît, permettez-nous d'apprendre à votre contact. Et n'hésitez pas à nous demander quoi que ce soit. Oui, bah dans les légendes japonaises, les lapins, ils font aussi des motis. Est-ce qu'ils ont des motis ? Non, il y en a un qui veut du pudding. Mais gros !
Voilà. Non mais oh. Un côté kiki, c'est tout. Hein ? Elle aurait pu choisir autre chose. Des vers de terre, c'est bien ça. Oui, bah oui. Excusez-moi, mais qui sont ces créatures ? Je vais me faire enflammer. Salutations, messire Fourchenot. Je vous présente les Loporites, vos collaborateurs de longue date sur la Lune. Ouais, tu vas vivre avec des pintas. Vous appartenez au conseil de Charlayan ? Il y a tellement longtemps que je voulais vous rencontrer. Et tu vas bouffer des carottes. C'est moi, Livingway, le bras droit d'Aidelin. Mais bien sûr. Au nom du conseil de Charlayan, je vous souhaite la bienvenue sur Terre. Comme vous l'avez judicieusement deviné, nous rencontrons quelques difficultés pour préparer notre voyage vers la Lune. J'aimerais d'ailleurs m'entretenir avec vous à ce sujet. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai nullement oublié ma promesse de rester sur la Lune pour superviser la préparation de l'Arche comme dernier recours. Mais lorsque les Loporites ont voulu visiter la Terre, j'ai eu l'intime conviction que ce ne pourrait être que bénéfique. C'est dans l'intérêt supérieur de l'humanité que nous nous trouvons ici aujourd'hui. Vous n'avez tant manqué urgencé, vos élèves ont bien progressé. Je dois dire que je suis heureux de vous revoir tous en bonne santé. Je ne regrette pas d'avoir fait le voyage. D'ailleurs, pendant que Livingway et les siens s'entretiendront avec le conseil de Charlayan, je serai plus qu'enchanté de me joindre à vous de nouveau. Il y en a un qui est toujours en train de rêver de ses poudings. Entre en vite nous abriter avant qu'Uriangé ne prenne froid. Pouding. Moi-même, je commence à avoir les orteils gelés. Ne t'en fais pas. On va bien se tenir chaud avec tous ces Loporites à bord de l'aéronef. Ouais, on va les transformer en cuir. Ça fait du bon petit feu, hein, des petits pimpins. C'est toi qu'on va mettre au feu. Trop bon le lapin. Ah t'as vu, c'est trop bon le lapin. Hérétique. Bah quoi. C'est bon le lapin. Bon je préfère le cochon mais c'est bon le lapin. Oh Uriangé, c'est bon, je vais pouvoir doubler. Oh putain, oh là là. Ça y est, c'est son heure de gloire. Avez-vous pu vous reposer pendant le vol ? Si les Loporites étaient décidés à parler au conseil, je les ai confiés à Monsieur Fourchenot à notre arrivée. Quant à nous, nous allons retrouver les autres à l'annexe des élèves de Baldesion pour faire le point sur la situation. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas tous été réunis. Allons-y, je vous prie. Oh, c'est trop beau ! J'ai tellement bien travaillé ! C'est bon, on peut y aller. Attends, il y a une quête bleue, là. Quoi déjà, l'exploratrice du bout du monde. Non mais elle a l'air tellement loin sur la carte que... que bon, hein, autant que je l'apprenne maintenant. C'est pour le carnet, je crois. Ouais, carnet d'exploration augmenté. Il était beau mon doublage, hein. Profitez-en, wow. C'était le seul de ce soir. Oh il n'y en aura plus d'autres. Non mais ça fait une heure et demie de stream, ça fait une heure et demie que j'ai pas eu ce dialogue. Profitez-en, ça te repose la voix. C'est vrai. Attends, non, attends, ça fait 2 semaines que j'ai eu la voix reposée. Après, tu vas encore dire que t'es trop fatigué et tout. Ouais, là. C'est vrai, je suis toujours trop à se plaindre en fait. C'est mais. Oh. Ah, mais dis mais donc, mais tu me cherches toi, hein. Mais t'as cru que t'étais qui toi, mais dis donc. Ouais, t'as cru que t'étais... Mais toi, t'as cru que t'étais qui. Tu me cherches. Oh merde, ça avance une petite scène. Non mais oh.
Ah oui, c'est vrai, on n'est plus groupé les gens. Faudrait qu'on se regroupe. Non mais je me plains, non mais dis donc. Non mais, c'est vrai, à Shadowbringer, hein, et ben, je sais plus, je crois que c'était moi qui arrêtais pas de parler. Hein, hein, il y en avait trop. Ouais, t'inquiète pas. C'est honteux. Ah oui, c'est vrai, ah oui, ça a vraiment lancé une cinématique. C'est peut-être pas doublé. Non, c'est pas doublé. Ça va. À coup, t'es prête? On va pouvoir bosser. Attends. Oh, elle est pas prête. Oh, quelle honte. Oh là là. Oh là là. J'atteins le donjon 89, mais je le ferai demain car ça va me faire coucher tard sinon. Oui, repose-toi surtout. Je t'aurais bien dit, si tu veux, demain je tag avec toi, mais je pourrais pas. On n'y sera pas. C'est de la faute à Saku. Ah, je crois savoir c'est quoi le donjon. C'est quoi? Je lui dirai pas. Bah oui, forcément, hein. Hein, évidemment. Hein. Bon alors, tu doubles? Ah bah, il faut le dire, attends, tu m'as dit attends. Je te l'ai dit, mais t'as lu ce que disait Ivy. Et alors, j'ai bien le droit de parler à Ivy? Hein? Bon, bah les gens dans le chat, eh ben, je vous parle plus. Voilà, c'est tout. Allez, on y va. Allez, bonne nuit, c'est fini. Salut. Regarde, c'est même moi qui peux buer, merde. Alors, je ne pensais pas qu'on se reverrait si vite. Moi non plus. Si mon retour anticipé est dû à l'enthousiasme des Loporites pour Eteris, je suis bien décidé à trouver un moyen de sauver notre planète avec vous. Nous aussi. Nous nous sommes dépêchés de rentrer à Charlayan pour entendre ce que tu as découvert. J'ai moi-même récolté quelques informations intéressantes sur la mer des étoiles. Mais elles pourront attendre que tu aies fini avec tes révélations. Alors, comment ça s'est passé ton passage sur le premier reflet? As-tu pu en apprendre davantage au sujet de cette fameuse fleur? Oh oui. On a pris plein de choses. Oh oui. Et pas que des bonnes. Eric a posté les Pudding Wade sur son serveur. Oh, purée. Ce pouvoir appelé Dynamis est donc la source de tous nos maux. Il correspond exactement à l'énergie liée à l'esprit que Nidana nous a décrite, l'Akasha. D'ordinaire, aussi calme et silencieux qu'une mer d'huile, il peut devenir une vague destructrice et emporter sur les terres lorsqu'il est entraîné par certaines pensées. Et donc, quelque part dans l'univers, il y a quelqu'un qui tente de détruire notre monde grâce au Dynamis, c'est ça? Météo. Plus que son souhait propre, il s'agit de la peine et de la souffrance de civilisations disparues qu'elle emmagasinait dans son cœur depuis des millénaires. Une somme inimaginable de tourments et de désolation née aux quatre coins de l'univers, qui alimente le Dynamis dans un seul but, l'annihilation des Eteris. Au moins, on sait quoi, ou plutôt qui affronter maintenant, au lieu de cet apocalypse insaisissable. On n'a plus qu'à se débarrasser de cette météillon, c'est ça? Tu dis ça comme si c'était facile. Effectivement, en venant à bout de météillon, on pourra sauver notre monde de la destruction. Mais pour ça, deux conditions se posent à nous. Je vais mettre un... D'abord, pardon, vas-y. Nous devons découvrir où elle se trouve. En plus, il me coupe, quoi. La seule personne à même de le savoir est Venna, qui lui a jeté un sort de filature, c'est-à-dire Aideline. On ne peut être absolument certain de ta guide à Elpis, et la volonté de la planète ne font qu'une. Mais le cours des événements, comme leurs paroles respectives, semble le confirmer.
Cependant, même si Aideline est capable de localiser Météillon, rien ne dit qu'elle acceptera de nous venir en aide. Car au demeurant, tout indique que son seul projet pour l'humanité est de prendre place sur la Lune pour chercher une nouvelle planète habitable. Sakuchi, crois-tu qu'Aideline a abandonné sa poursuite de Météillon ? Alors attends, je voulais mettre un autre truc, mais je me suis rappelé qu'il y avait des innocents sur mon serveur. Oh là là, les innocents, faut les mettre au placard. Ils sont pas gentils, les innocents. Série de visionnage, GG Ivy, 3 streams de suite. Alors non, ça lui ressemblerait pas, après tout ce temps, ça se comprendrait. Par contre, maintenant, je suis curieux, Kineri. Non, ça ne lui ressemblerait pas. Après tout ce temps, ça se comprendrait. Je vais mettre le deuxième, juste pour voir. Je suis d'accord. Si c'était le cas, elle ne serait pas allée jusqu'à se servir de mon corps pour communiquer ou nous laisser des indices tels que l'Elpis qui t'a guidé. Non, je pense qu'elle attend tout simplement. Elle dit quoi ? Moi, c'est la même chose, sauf que le tout début, c'est tu le crois pas vraiment ? Voilà, c'est tout. Sinon, c'est la même chose. Elle attend notre réponse, la réponse de l'humanité. Et cette seconde condition, de quoi s'agit-il ? Eh bien, cela peut paraître évident, mais nous allons devoir trouver un moyen de rejoindre Météillon. Bien sûr, il est inutile de se pencher sur cette question tant qu'on n'aura pas découvert où elle se cache. Et c'est là qu'on a le donjon que j'aime bien. Notre première priorité est donc d'entrer en contact avec Aideline. Istola, Matoya et toi avez bien essayé d'y parvenir dans la mer des étoiles, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça a donné ? Pas grand-chose, malheureusement. Malgré l'aide d'Arenvald et d'autres possesseurs de l'écho, nous n'avons pas entendu le moindre murmure, même à l'intérieur de l'Antitour. Selon Maître Matoya, il est fort probable que le Conseil ait eu recours à une autre méthode pour recevoir ses instructions d'Aideline, depuis l'abandon de l'édifice. Si c'est le cas, il s'agit sûrement d'un dispositif permettant d'observer et de communiquer avec la Mère des Étoiles depuis Charlayan ou ses environs. Et Ivy, le donjon que j'aime bien, c'est l'issue aux impasses. Non, mais on n'y est pas encore. Hein. Pardonnez-moi. Vas-y. Non, je crois que c'est un monsieur ou une madame là. Je crois que c'est un monsieur, non. Je suis pas sûr. Bah vas-y. Par contre, le pardonnez-moi de vous interrompre, il me fait penser à. Oui, je sais pas bien. Pardonnez-moi de vous interrompre. J'ai un message du conseil. Yaouila, comment tu vas ? Votre présence est requise au rostre, où les détails du grand exode vont vous être révélés. Il dit ça comme ça, oui, à travers la porte. Ça veut dire que papa a réussi à les convaincre. Ils se sont enfin décidés à nous prendre au sérieux. Allons là-bas pour écouter ce qu'ils ont à dire. Si un homme, oui, le lala. Si un beau lala. Oh lala. Tiens, fais le tour, parle-leur. En cas de disparition de Zordiark, les habitants des Terris doivent être évacués sur la Lune. C'est la seule et unique directive qu'Aideline a donnée aux Loporites. Et pourtant, malgré le caractère limité de leur mission, ces petits êtres possèdent un savoir incomparable sur l'espace et la technologie nécessaire pour s'y déplacer. S'il nous faut un jour faire le voyage jusqu'à Météillon, nous aurons tout intérêt à nous enquérir de leurs conseils avisés sur ce sujet. Estinia, Hermès, Météillon, le Dynamis, je trouve toute cette histoire bien complexe. Enfin, j'ai même ma petite interprétation personnelle. Pour faire simple, c'est en quelque sorte une redite de la discussion qu'on a eue au Grand Œuvre, hein ? Au final, on en revient toujours à une lutte entre ceux qui souhaitent la mort des autres et ceux qui souhaitent tout simplement survivre. Alizé. Alizé ? Ah, oui. Je ne pensais pas qu'on obtiendrait une réponse si rapidement. Peut-être qu'on doit ça à nos efforts dans le Magna Glaciès. Alfino, il semblerait que notre père ait tenu sa promesse. C'est une chance que nous ne pouvons pas laisser passer.
Vite, rendons-nous devant les rostres. Tête à roue. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de rester ici pendant votre passage devant le conseil de Charlayan. Les rostres me rappellent un peu trop le tribunal du Saint-Office. Et je préfère éviter de raviver certains souvenirs, si vous voyez ce que je veux dire. Krill. Pendant ton absence, je suis allé au Labyrinthos pour tenter d'entrer en contact avec Adeline grâce aux Elpistes. Malheureusement, ça n'a rien donné. Elle doit être à bout de force, avec toute l'énergie qu'elle a utilisée durant la confrontation avec Van Daniel. Lorsqu'elle a quitté mon corps, j'ai ressenti à quel point elle était affaiblie, proche de disparaître même. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Istola. Cela fait déjà un certain temps que Maître Matoya soupçonne le conseil de disposer d'un autre moyen de communiquer avec Adeline. Bien sûr, puisque c'est elle qui est chargée de surveiller l'antitour, elle ne goûterait guère le fait de ne pas avoir été tenue dans la confiance. Confidence ? Confiance ? Mais dis donc, t'es fatigué, toi. Fin cred. Oh, et le monsieur qui l'a pas parlé pendant une heure et demie, là. Et oh, je me rattrape, hein, d'accord hein. Et puis gros ? Après que Gra et Estinia se sont dirigés vers Garlemald, j'ai fait ce que j'ai pu en locus amenus. En plus de l'anarchie qui règne là-bas depuis la chute de l'Empire, je peux te dire que ça n'a pas été de la tarte d'organiser l'évacuation et avec les troubles de l'Apocalypse. De la tarte, Aya, il y a des tartes. Miam miam. Gratia. Je pensais qu'on aurait plus d'utilité pour la Tour de Cristal, mais voilà qu'elle est capable de t'envoyer aux confins de temps immémoriaux. Qu'on n'aurait plus d'utilité, pardon. Les scènes dont tu as été témoin sur Alpis sont la clé qui nous permettra de sauver cette planète, j'en suis sûr. Quand je pense à ceux qui ont tout fait dans un futur différent pour éviter le 8e fléau, je me dis qu'on n'aura jamais le droit d'abandonner. C'est bon, on peut y aller. C'est où les rostres hein? Au nord. Il fait froid au nord. J'en sais quelque chose. Toutes mes excuses, la session exceptionnelle qui est sur le point de débuter n'est pas ouverte au public. Mais nous on a laissé passer. Oh, vous êtes des héritiers de la 7e aube. Vos compagnons viennent d'arriver. Avant de vous laisser entrer, je dois vous demander de me remettre vos armes. Mina. Faut attendre où ? Aïe ! Aïe ! Touche pas mon patron ! Elle est là ! Touche pas mon... Salut ! Je te traverse la gueule. Vas-y, fonce-moi dessus, hein, je te dis rien. Ouais. J'en sais quelque chose également. Ah oui, il fait froid. Hein. À 38, le laisser passer. Le laisser passer à 38. Non, Harry Potter, ça non? Non, Astérix Obélix. Ouais. Les 12 travaux. Bien vu. Pourquoi j'ai fait le tour, moi? C'est un peu compliqué la vie. Tu es un Shadok en fait. Gabusome. Les Shadok, ça dit Gabusome. Et il pompe. Avec Gégen. Les Gégen, oui. Ça, c'est toute mon enfance, ça, bordel. Les gibis. Pardon. Oui, on digresse. Oh, purée. Aïe, oui, je vais te ban. Avant d'y aller, j'ai une faveur à vous demander. En fonction des révélations du Conseil, il se pourrait que je leur fasse une proposition importante pour la suite de nos projets. Pourriez-vous me laisser mener la discussion ? Faites-moi confiance. Cela ne compromettra pas nos intérêts. Aucune objection de ma part. Après tout... C'est toi qui as réussi à convaincre notre père de nous accorder cette audience. Je me chargerai des questions que nous nous posons tous. Comme ça, tu pourras mettre tes pensées en ordre et te concentrer sur ton intervention finale. Merci à vous tous.
Un peu de silence dans la salle. Je déclare ouverte cette session exceptionnelle. Comme vous le savez, l'objet de cette réunion est l'exposition de notre projet de grand exode aux héritiers de la 7e aube, conformément à leur requête. Veuillez entrer, je vous prie. Pour commencer, j'aimerais vous exprimer la reconnaissance du Conseil. Vous avez fait preuve d'un courage admirable pour protéger nos compatriotes et les réfugiés hanois des bêtes qui les ont attaqués dans le Magna Glacies. J'en ai d'ailleurs informé le satrape de Razatan, qui m'a demandé de vous remercier pour votre bravoure et votre abnégation. Le Conseil juge la situation actuelle extrêmement préoccupante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes prêts à répondre à vos questions en toute transparence. Merci. Pour commencer, j'aimerais m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Pouvez-vous nous confirmer que le but du Conseil de Charlayan et d'organiser l'évacuation de l'humanité et de son savoir avant la destruction de la Terre par l'Apocalypse? Exactement. Depuis de longues années, c'est en préparation de cette éventualité que s'articulent les activités de notre cité. La première étape de l'Exode en lui-même est l'acheminement des connaissances du monde entier que nous avons accumulées dans le Labyrinthos et le Noumen. Dans le même temps, le peuple charlayanais sera réparti en plusieurs groupes, qui seront transportés l'un après l'autre sur la Lune pour en aménager l'environnement et s'y établir progressivement. Puis, lorsque ce sera possible, nous prendrons en charge les populations de nos alliés pour les conduire jusqu'à l'Arche et leur permettre de s'y installer. Les Hanois devaient faire le voyage en priorité, mais les premières manifestations de l'Apocalypse sont apparues plus tôt que nous le pensions. Nous avons donc tenté de hâter leur évacuation. C'est un projet véritablement titanesque. Estimez-vous être en mesure de sauver toute l'humanité de cette façon? Dans la mesure du possible. Et c'est le Conseil qui décide ce qui est possible, n'est-ce pas? Un exode d'une telle ampleur est un défi colossal, surtout à l'échelle interplanétaire. Prendre en compte des opinions extérieures et divergentes compromettrait sa réussite, ce que nous voulons éviter à tout prix. Mettons de côté ce débat, et passons à un autre sujet, si vous le permettez. J'aimerais aborder l'état d'avancement actuel du projet. D'après mes informations, la question centrale du moyen de transport vers la Lune n'est pas encore réglée. Qu'en est-il exactement? Dans la mesure où ce moyen de transport ne fonctionne pas encore convenablement, l'honnêteté exige d'admettre que ce problème reste en suspens. Le vaisseau que nous avons passé tant d'années à élaborer, puis à construire, peut être considéré comme achevé. Hélas, nous n'avions pas prévu que les effets de l'Apocalypse se propageraient si rapidement au reste du monde. Ce qui nous amène à la partie motrice de l'appareil. La technologie que nous utilisons ne nous permet pas d'atteindre la vitesse requise, et le ravitaillement en carburant nécessite un temps trop important. En l'état actuel des choses, nous sommes beaucoup trop lents pour faire suffisamment d'allers-retours avant que l'Apocalypse ne ravage toute la planète. Nous allons au-devant de pertes immenses, aussi bien humaines que matérielles. Il n'y a vraiment aucun moyen d'éviter ça ? Nous conduisons de nombreux tests pour tenter d'améliorer le réacteur à hétérodégénérescence, la partie du moteur qui sert à propulser le vaisseau dans l'espace. Le chargement des marchandises
a déjà commencé pour le premier voyage. Mais nous avons l'intention de peaufiner nos réglages jusqu'au tout dernier moment. Dans ce cas, que diriez-vous de passer un marché avec les héritiers de la 7e aube ? Nous pourrions vous aider à améliorer votre réacteur. En échange de quoi, nous vous demanderions deux faveurs. La première serait de nous accorder une entrevue avec Aydelin. Compte tenu de vos relations avec Aydelin, nous trouvons particulièrement étrange que vous laissiez l'Antitour à l'abandon. Vous avez forcément découvert un moyen plus efficace de communiquer avec elle. Passons à notre seconde requête. Nous aimerions vous suggérer qui se servira de votre vaisseau et de quelle façon. Une suggestion ? Cela implique que nous ne sommes pas dans l'obligation de l'accepter. Exactement. Si notre proposition ne parvient pas à convaincre les 99 membres du Conseil, ce sera la preuve qu'elle n'est pas pertinente. Voilà qui s'annonce intéressant. Une équipe de nouveaux venus qui s'attaque à un casse-tête technologique sur lequel nos plus éminents spécialistes planchent depuis des années. C'est aussi absurde qu'excitant. C'est exactement ce qu'il faut à nos scientifiques. Un vent nouveau qui les ferait dévier de leurs vieilles théories surannées et sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. J'ai bon espoir d'être agréablement surpris par mes anciens élèves. Et je vote en faveur de leur proposition. Silence dans la salle! Le temps nous est compté, et nous devons décider d'une issue le plus vite possible. Que ceux qui veulent accepter les conditions des héritiers de la 7e aube lèvent la main! Je compte 71 voix pour, 28 contre. C'est un résultat sans appel. La proposition est acceptée par le Conseil. Messire Fourchonneau le Veilleur, en qualité de dirigeant du projet de Grand Exode, c'est à vous que revient la responsabilité de guider ces gens. J'espère que vos objections personnelles n'entraveront pas votre devoir de conseiller. Naturellement. Mesdames et messieurs, la séance est levée. Nous sommes près du but. Aussi, je vous demande de vous mettre immédiatement au travail. On les a convaincus. Vous dites hein, qu'on peut on peut reprendre. C'est bon. Pardonnez-moi de ne pas vous en avoir dit plus sur mon plan. Pour être honnête, il y avait une bonne part d'improvisation dans mon intervention. Sachant que nous allons avoir besoin d'un moyen de communiquer avec Aydelin, mais aussi d'atteindre Métayon.
Je me suis dit qu'en étant impliqué dans la finition du vaisseau, nous pourrions faire d'une pierre deux coups. Mais pour atteindre nos objectifs, il va désormais nous falloir résoudre l'épineux problème du réacteur. J'ai le sentiment que nous aurons une bonne carte à jouer. Et si nous ne sommes finalement pas à la hauteur, nous avons aussi des amis plus que compétents dans ce domaine. En attendant, allons déjà découvrir quel ambitieux système ont mis au point les Charella et Aenée. GG level up. Les marques que je t'entends, tu parles toute seule alors que j'appuie pas sur le bouton. Ah bah alors. Oh la pauvre. Voilà, elle parle toute seule, ça y est, elle devient sénile. T'as vu un peu. Conformément au vote du conseil, je vais vous accompagner jusqu'à l'endroit où nous développons et construisons le réacteur de notre vaisseau. Dans un premier temps, venez me retrouver devant l'Archéon, dans le Labyrinthos. Nous ferons le reste du chemin ensemble. Leur vaisseau se trouve dans le Labyrinthos. Venez, nous allons bientôt tout savoir. Les deux Lala sont en train de fusionner, là. Fusion. Alors, Labyrinthos... Archéon. Moi, je vais... Non, c'est bon. Attends, il y a une bouboule. Oui, il va faire la bouboule. Va toucher les boules. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de boule. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Il faut que je fasse un petit AFK 30 secondes. Ouais, ça marche. J'ai pas entendu. L'AFK 30 secondes. Non. Non. Non, elle a pas le droit. Il pleut. Ah oui, hein, t'as pas arrêté de cracher, alors forcément. Krill. Bah tiens, en attendant, on va voir... Bah, Lilé, oui. Bah vas-y. Bosse un petit peu. Allô, t'es... Ils ont l'intention de transporter tout ce qui se trouve dans l'Archéon jusqu'à la Lune. Même si ils ont déjà commencé à charger leur vaisseau, il va falloir accélérer. Ouais. Alizé. Quand on a exploré le Labyrinthos tous ensemble, on était loin de se douter qu'on y reviendrait dans des conditions pareilles. T'as raison, cherche des problèmes, toi. Moi, jamais. J'ai hâte de découvrir de mes propres yeux ce que le conseil a dissimulé au Charlayanné pendant tant d'années. Gracia. Comme je n'étais pas là quand vous avez visité le Labyrinthos, c'est la première fois depuis un bail que je mets les pieds ici. J'imagine qu'il y a encore plus de documents archivés qu'à mon époque. Estinien. Quel est l'intérêt de créer un espace souterrain à l'image du monde de la surface? Autant le construire à l'extérieur dès le début. Vistola. Le fait que nous ayons été autorisés à pénétrer dans les niveaux inférieurs du Labyrinthos est la preuve que le conseil a reconnu notre valeur. C'est dommage qu'il aurait fallu autant de temps. Ou mieux tard que jamais. Heureux, Urion Z. Parmi les documents divers et variés envoyés à Charlayan sur la Lune, j'ai aperçu plusieurs inventaires provenant de l'Archéon. Le conseil a certainement jugé que les informations qui y figuraient seraient bénéfiques à la compréhension de la vie sur Eteris. Mais étrangement, les Loporites ne semblent pas y avoir prêté attention. Alfino, nous étions tous sauf les bienvenus lors de notre dernier passage ici. Les choses ont bien changé. Forcheneau. Notre destination se trouve dans les niveaux inférieurs. Pour cette occasion exceptionnelle, le conseil a décidé de vous autoriser l'accès à l'ascenseur. Veuillez entrer dans ce bâtiment et vous adresser à Ophilin pour vous rendre dans le circuit médian. On va prendre l'ascenseur, oui! Ascenseur! On va appuyer sur le bouton! Vous voulez une anecdote rigolote là-dessus? Vas-y. Sur les ascenseurs? Je sais plus, je revenais de l'appartement de mon grand-père, je devais avoir 5 ans, un truc comme ça. Et c'est la première fois que je prenais l'ascenseur et tout ça. Donc on prend l'ascenseur, on va chez mon grand-père, et avant de partir, on dit au revoir sur le palier, machin, et il y a mon papa qui me fait « Sophie, appelle l'ascenseur !» Et je me mets devant la porte, puis je crie « Ascenseur !» Mais non, avec le doigt « Ascenseur !» Avec le bouton. Voilà, c'est...
Ils se sont tapés une barre tout l'après-midi. Oh purée. Ah bah bah. Oh purée. Ah j'aurais bien voulu être là. Moi aussi j'aurais bien vu mon souvenir. Oh la vache. Vous êtes le dernier. J'ai déjà indiqué à vos compagnons le chemin vers le Logisticon Alpha, au sud du laboratoire agronomique de Mérial. À ce propos, je voulais vous parler de... Non. Une autre fois, peut-être. Nous avons une importante affaire à régler. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Prenez soin de mes enfants, s'il vous plaît. Casse-toi, toi. Pour mêler en route, il me saoule, tu sais. J'arrive. Je suis pas du tout en train de manger du chocolat. Non, mais dis donc, du partage, hein, dis donc. Non. Bon, alors, l'avantage, c'est que moi, du coup, j'ai déjà découvert toute la map. Ouais. Qui c'est qui a eu les vents sur la lune? Bon, voilà. Ouais. Grâce à qui? Attends, à gauche. C'est bon, j'ai repéré. Ça va être une plaie quand on va devoir s'occuper des vents et des... À courir partout. On sera tranquille. Je pense qu'on fera la même chose que sur la lune, tu vois. Tu me les débloques. Oh, il y a une bouboule! Tu me les débloques en premier, et puis je te les débloque ensuite. Ça sera plus rapide. Ah, du coup, tu auras la bouboule sur la lune, c'est ce que je te disais, là. Oui. Parce que tu n'avais pas débloqué les carnets. Enfin, le carnet d'explo. Dan Walker. La bouboule! Coin sur la lune qu'on m'a shippé, hein, d'ailleurs. Ah bah, ça... Ouais. Ça va, les demoiselles? La pluie, tout ça, ça vous gêne pas? Hein, non, vous êtes couverte, hein? Tout parfait. On mange du chocolat. Ouais, et moi alors? Toi, tu conduis. Oh, mais purée, quoi. Quel esclavage. Et tu le sais, toi qui le veux bien. Hein. Il est où? Il est là. Allez, hop, descendez. Alfifi. Alfibrou. Alors, pressé d'être à demain. Il y a quoi demain? Je sais pas, demain c'est jeudi. Oui, il y a quoi demain? Il y a rien jeudi. Résultat maison. Non, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui, ouais. Du coup, bah, après. Bah non, j'étais le numéro 4 et c'était le numéro 5 qui a été choisi. Tant pis. Moi, je sais pas, ma maison, je suis deg. Hein? Moi aussi, j'ai pas eu ma maison. Non, mais ce système. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis, j'économiserai un peu plus et puis. C'est la 12e que j'essaie de choper, putain. Oh la vache. Oh la vache. Ouais, c'est tiré au sort, ouais. Ouais, tirage au sort. Mon père nous a dit d'attendre ici pendant qu'il s'occupe de nous obtenir l'accès au prochain ascenseur. L'endroit où nous nous trouvons s'appelle le Logisticon Alpha. C'est ici que le climat du labyrinthe s'est géré. Bah oui, évidemment. Un système complexe permet d'extraire de l'eau souterraine pour la transformer en vapeur et ainsi créer des nuages artificiels qui reproduisent des phénomènes météorologiques. En manipulant également les vents et l'humidité, les scientifiques qui travaillent ici peuvent construire l'environnement idéal pour préserver les échantillons biologiques dont ils ont la responsabilité. Dis donc, comment tu es au courant de tout ça? Moi, je savais à peine de quelle installation il s'agissait. Père m'a amené ici quand j'étais petit. Hein? Et vous m'avez laissée toute seule? Eh bien, il me semble que tu étais déjà partie ailleurs avec grand-père.
La veille, j'avais demandé à Père comment étaient formés les nuages. C'est sûrement ça qui lui a donné l'idée de m'amener ici. Je me rappelle avoir été fasciné par ses explications. Et oui, j'ai été remboursé, évidemment. Hein. On ne prend que rarement le temps de réfléchir aux innombrables lois qui régissent notre monde. Et pourtant, elles sont toutes plus miraculeuses les unes que les autres. En observant avec attention les différents systèmes installés au prix d'immenses efforts par les Loporites pour recréer notre environnement, je me suis rendu compte que rien de tout cela n'était acquis. Et là, on va de même pour les jardins souterrains du Labyrinthos, la prison de Zordiark, ou encore les installations construites pour les humains sur la Lune. Tous sont si différents, et pourtant si proches. Ce n'est en aucun cas une coïncidence. Depuis qu'Aïdolin nous a informé du funeste destin de notre planète, nous avons rassemblé ici toutes les ressources jugées essentielles. En prévision de notre grand exode, bien sûr, mais pas seulement. Le Labyrinthos est aussi un terrain d'essai pour les technologies qui permettront à l'humanité de s'installer dans un environnement inconnu, sur une lointaine planète. Les Loporites ont réalisé un travail remarquable pour rendre la Lune habitable, mais notre destination finale est ailleurs. Nous devons être prêts à assurer notre survie, quelles que soient les conditions. Hélas, le temps ne joue pas en notre faveur. Nous allons désormais nous rendre dans les circuits centrales, où les préparations pratiques pour notre grand exode se déroulent. C'est là que se trouve notre vaisseau. Il va sans dire que c'est le secteur le plus confidentiel du Labyrinthos. Mais au vu de votre nouvelle implication dans notre projet, le Conseil vous a autorisé à y accéder librement. Merci, Père. Nous nous montrerons dignes de votre confiance. Suivez-moi. Nous devons emprunter cet ascenseur. J'ai du mal ce soir. Ah, je suis rouillé, hein, évidemment. Hein. C'est de la faute à Saku. Ah si, t'as accaparé tous les dialogues. Bien sûr. Allez, madame. Par décret du conseil de Charlayan, des héritiers de la 7ème aube sont autorisés à utiliser l'ascenseur pour le circuit central. Allez dans le circuit central. Non. On prend pas l'ascenseur. Oui, c'est bon, magnifique, c'est rigolo. On monte dedans. On le prend pas. Le site de construction du réacteur à hétérodégénérescence se trouve au sud d'ici, à la forge de Kokol. Kokol, c'est marrant ça comme nom. L'endroit doit son nom à la personne responsable des travaux, Bissière Kokol d'Ankol. Une fois les présentations faites, je vous laisserai discuter avec lui des détails techniques. Par ici, s'il vous plaît. Je me souviens, c'est qui ? Tu vas trop l'adorer. C'est qui ? C'est un lala. C'est toi qui as cru t'étais. Mais, c'est qui ? Après, je prends le poney, voilà. Ah ouais ? Petit poney. Non. Petit poney. Ben reste dans ton coin, c'est tout. Ah oui, c'est pas un... Oui, bah il y a deux chemins, c'est pareil. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? Christian, tu veux descendre ? Non mais dis donc. T'as pris quelle place, toi, d'ailleurs ? Voilà. Regardez, elle boude dans son coin, voilà. Ah non, mais sincèrement, hein. La société, hein, maintenant. Puis c'est normal qu'on va moins vite, hein ? Moi, la charrette, elle est plus lourde. Oui. Petit panel. Qui a dit ça ? Je sais pas. Tu vas avoir des problèmes, toi, hein. Voilà, pas. C'était un lala. En même temps, un canon pareil. Bah oui, évidemment. Eh oh, qu'est-ce que t'as ? Peut-être en décalant cette valve. Non, j'ai déjà à peine la place de placer le joint. J'adore sa voix. Oui. C'est pas comme ça qu'on va réussir à envoyer ces gens dans l'espace en temps et en heure.
Désolé de vous interrompre, messire Cocolle. Ah ! Monsieur Fourchenot, qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi y a tant de monde tout à coup ? Ne me dites pas que le délai est déjà écoulé ! Non, ne vous en faites pas. Même si nous sommes pressés par le temps, notre calendrier demeure inchangé. Les personnes qui m'accompagnent sont ici pour vous aider à améliorer le réacteur à hétérodégénérescence, avec l'aval du Conseil. Ils sont nouveaux dans la profession ? Leur tête me dit rien. À vrai dire, même si certains d'entre eux sont des preux, aucun n'est spécialisé dans votre domaine d'expertise. Nous espérons qu'ils vous permettront d'avancer, mais s'ils vous gênent, n'hésitez pas à les congédier. Nous allons bien sûr faire notre possible pour vous aider dans votre travail. Pour commencer, pourriez-vous nous en dire plus au sujet de ce fameux réacteur ? Pas de problème. Ça tombe bien. J'avais justement besoin de m'aérer les neurones. Sans entrer dans les détails les plus complexes, le réacteur à hétérodégénérescence est la partie de notre vaisseau qui convertit l'éther en force de poussée pour lui permettre de se déplacer. L'éther est beaucoup moins abondant dans l'espace qu'à la surface de notre planète. Mais grâce à la technologie qu'on a développée, notre appareil est capable de faire l'aller-retour Terre-Lune. Le problème, c'est qu'il est encore beaucoup trop lent. D'après mes calculs, en augmentant le taux de conductivité éthérienne de 6%, on pourrait atteindre la vitesse nécessaire pour faire le voyage aussi rapidement que l'exige le Conseil. 6%, ça paraît peu comme ça. Mais quand on utilise les meilleurs matériaux pour chaque pièce, quand on a optimisé ses plans des centaines de fois, laissez-moi vous dire que c'est une véritable montagne. Avez-vous sollicité l'avis d'Eloporite à ce sujet ? Bien sûr. Il travaille comme nous d'arrache-pied sur le problème. Seulement, il ne semble pas être en mesure de trouver une solution dans l'immédiat. L'arche d'Eloporite possède elle-même un puissant système de propulsion, mais il n'existe que grâce à l'immense espace qui lui est dédié au cœur de la Lune. Adapter un tel dispositif à l'échelle de notre vaisseau est inconcevable dans leur esprit. Puisque, pour reprendre leurs mots, il est à peine plus gros qu'un jouet. Oh ! Je vous le dis, c'est mission impossible ! Vous êtes bien gentil de venir m'aider, mais à moins que vous ayez de l'hexadamantium dans vos sacs, c'est peine perdue. De l'hexadamantium ? Comme on pouvait en trouver à Alag ? Ça te dit quelque chose ? Il s'agit d'un alliage créé par les Alagois. Son procédé de fabrication a toujours baigné dans le mystère, si bien qu'on le qualifiait parfois de métal miracle. À l'époque, l'Empire d'Alag s'en est servi pour construire Dalamud, et son utilisation est mentionnée dans divers rapports sur sa conquête spatiale. Ouais, c'est ça ! L'hexadamantium ! Un métal légendaire né de techniques aujourd'hui oubliées, et qui est devenu quasiment introuvable. Parmi ses propriétés supérieures, je vous le donne en mille. C'est un supraconducteur pour l'éther. Je suis bien placé pour le savoir, j'en ai utilisé un peu pour le réacteur. Où je l'ai trouvé ? Dans un morceau de structure de Dalamud qu'on a renfloué dans les mers du Nord. Il dormait sûrement là-bas depuis la fin du 7e fléau quand le satellite a volé en éclats. Si je pouvais mettre la main sur un bon paquet de cet hexadamantium, ce serait un jeu d'enfant d'atteindre les 6% qui nous manquent, croyez-moi. Il y a des morceaux de l'épave de Dalamud éparpillés à travers tout Eorzea. Pourquoi vous n'iriez pas vous servir ? On a déjà envoyé les glaneurs en chercher, tu penses bien. Malheureusement, c'est pas si simple. L'hexadamantium est utilisé qu'en certains endroits précis dans la structure du satellite. C'est uniquement dans ces protubérances, semblables à des épines géantes, qu'on peut en trouver. Plus précisément, il s'agit de l'unité motrice des vaisseaux de classe Ragnarok. D'après les éclaireurs qui ont inspecté le terrain, il faut s'aventurer au plus profond de la carcasse pour atteindre le métal. Et l'endroit est infesté de dispositifs de sécurité à la Goa. Même pour une équipe de glaneurs triés sur le volet, je vous garantis que ça se fait pas en un claquement de doigts. Il parle de l'endroit où on est allé pour détruire Bahamut, non ?
Alors, je me permets juste une petite pause. Je sais pas si du coup, toi, Saku, tu as le même dialogue, étant donné que moi, j'ai fait Bahamut avec avec Selem. Bah non, j'ai pas les mêmes, non. Elle te dit quoi, à peu près? Se pose des questions ou... Je t'avoue que ça m'intéresse. T'as répondu à la question? Non, pas encore. Bon, bah, moi je viens de répondre à la question, mais bah, je l'ai passé du coup. Ah bah, vous voulez que je m'en charge tant qu'il n'y a plus cette Naël possédée? Ça a l'air un peu trop coton à mon goût. Naël, c'est qui Naël? Je sais plus. Naël Darnus. Ouais. Il me dit rien. Vous voulez que je m'en charge? C'est vrai que ce serait sûrement du gâteau pour toi. Il y a plusieurs débris du même genre, susceptibles de nous intéresser à travers Eorzea. Nous pourrions nous séparer pour mettre la main sur l'hexadamantium que nous cherchons. Mais je pense avoir une meilleure idée. Le boss du raid en question. Ah, d'accord. Sans cred, la délégation d'Ilzabard t'avait fourni une Link Perle lorsque tu es parti en reconnaissance à Garlemald. Ah, les météores, oui, ça y est. Ah, tu sais, nous, on les a tellement rush que du coup, on n'a pas vraiment fait attention au boss en eux-mêmes. Je te vois venir. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Si tout le monde va chercher du bois, on pourra allumer un feu assez fort pour résister au blizzard et nous éclairer dans la nuit noire. Allô? Oui, c'est Alfino. Vous m'entendez? J'ai quelque chose à vous demander. Au nom Allez, tout le monde à la chasse. On va faire Zenos. Entendu. Je vais contacter Sir Emeric pour qu'il envoie immédiatement une équipe dans le Coertas. En l'absence de ma sœur, je vous assure du soutien de Gridania pour cette mission. Nous nous occuperons de la forêt de Sombre Linceul. N'y a-t-il vraiment que dans ces vaisseaux de confinement qu'on peut trouver de l'hexadamantium? Seuls des objets nécessitant de conduire ou d'emmagasiner une énorme quantité d'éther ont pu justifier l'utilisation d'un métal aussi rarissime. Pour trouver de tels artefacts qui auraient survécu à l'épreuve du temps, je suppose qu'il faudrait se tourner vers des sommités en magismologie ou des collectionneurs extravagants. Vous cherchez des reliques à la Goise? Je vais voir ce que la Coalition Orientale peut faire pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Il n'y a pas de débris de Dalamud par ici. Et nous avons de la main-d'œuvre à disposition. Kokol, auriez-vous besoin de quelque chose du côté d'Otar? Oh! Vous voulez dire que les contrées orientales soutiennent notre effort? Dans ce cas, il me faudrait des reliques sacrées. Tu vois de quoi je parle, hein? Si ces trésors sont capables de stocker suffisamment d'éther pour invoquer des primordiaux, ils nous seront très utiles pour améliorer notre réacteur. Cyrina, vous avez entendu? Si ce n'est pas trop demandé, j'aimerais que vous rassembliez des reliques sacrées pour nous. Bien sûr. Moi qui craignais de n'être d'aucune utilité pour faire face à cette horrible apocalypse, quel soulagement de savoir que je peux vous aider. Je n'y connais rien en mécanique. Mais si vous me dites que les reliques peuvent servir notre cause, je vous promets de faire le nécessaire. Mais bien sûr qu'on va vous donner un coup de main. Rafler des trésors, c'est notre spécialité. Alors tu peux compter sur moi et toute la clique de l'IMSA. Faudra envoyer le butin à Charlayan, c'est ça? Tu peux déjà leur dire de faire de la place sur les quais. Je n'y manquerai pas. Merci. Merci à tous pour votre aide si précieuse. Et surtout, faites bien attention à vous. Bien joué.
Nous allons trouver cet exadamantium. J'en suis convaincu. Faisons confiance à nos alliés et préparons-nous pour la suite. D'autres épreuves nous attendent, mais nous saurons les surmonter. Et nous, on va faire quoi? On va en chercher où? Eh bien, Alfino a une véritable armée d'alliés prêts à rejoindre sa cause à tout moment. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on parcourt le monde à tes côtés. Je vais remonter à la surface pour prévenir les autorités charlianaises que nous attendons des livraisons volumineuses. Et puis j'ai moi-même un petit coup de ligne perle à passer. Alfino n'est pas le seul à avoir des relations. Tiens donc, et de qui s'agit-il? Un peu de patience, tu le sauras bien assez tôt. C'était quoi ce rire? Sur ce, je vous laisse. On se retrouve plus tard en... En... Oh. Pendant ce temps, dans la chambre de l'encens. Merci, Pipin. Si nous avons bien suivi, l'exadamantium peut se trouver dans certains fragments de Dalamud et dans de puissantes reliques magiques à la Goise. Nous voulons que tu réunisses immédiatement les meilleurs éléments des immortels, des casques d'argent et des lames de cuivre, pour former une unité spéciale. Papa Chan, tu vas contacter les guildes de la cité. L'aide de nos artisans sera indispensable. Aussi bien pour déjouer les systèmes de défense à la Goa que pour prélever un matériau aussi précieux. Messire Firgeis, si nous avons fait appel à vous parmi tous les membres du cartel des Scorpions, c'est que nous comptons sur le soutien des Torches d'Acier. Vous travaillerez en coordination avec les Immortels pour assister leur unité spéciale, tout en assurant la sécurité sur les zones clés de cette mission. Soyez tranquille, votre majesté. Je m'assurerai que mon fils Tirnberg, capitaine des Torches d'Acier, supervise personnellement notre part de la mission. Pipin, nous te confions le commandement général de cette opération. Tu as carte blanche pour faire usage de Tizona comme bon te semble. Lolorito, vos relations nous seront très utiles pour localiser les reliques à la Goise, des alcôves du marché noir jusqu'aux collections privées les plus exclusives. Bien évidemment, nous ne vous demandons pas de le faire bénévolement. Vous êtes libre de choisir la méthode tant que vous mettez la main sur ces trésors. Notre monde est menacé par une catastrophe sans précédent. Et nos efforts seuls ne permettront pas de le sauver de la destruction. Mais le peuple éorzéen connaît mieux que quiconque la souffrance et la peine. Ainsi, toutes les épreuves que nous avons surmontées depuis le 7e fléau nous ont permis de prendre conscience d'une importante vérité. Aucun défi. C'est la voix du labyrinthe, ça. Lorsqu'on unit nos forces pour se battre tous ensemble. Oui. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Les héritiers de la 7e aube nous l'ont maintes fois prouvé. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sollicitent l'aide de leurs alliés. Nous, Uldiens, allons répondre à leur appel avec détermination. Nous vaincrons ce péril et sauverons notre planète. Que chacun s'attelle à sa tâche immédiatement. Nous, Nanamo Ulnamo, 17e sultane d'Ulda, nous vous l'ordonnons. Baisse ce bras, Nanamo. Tu vas la laisser tranquille, oui.
pendant ce temps au radeau de la calebasse. Oui, c'est vrai que ça peut être mal interprété, hein, mais bon. J'aime bien comment la musique s'enchaîne, tu sais, entre l'une et l'autre. Mmh. Nos effectifs sont suffisants mais déséquilibrés. On a bien assez de soigneurs, mais on manque de combattants pour détruire les systèmes de défense. Ce qui fait d'ordinaire la force de Gridania risque de nous coûter un temps précieux pour cette mission. Ça ne te dérange pas si on participe, nous aussi ? Lise. M'en doutais. En même temps... Lise ? Je ne m'attendais pas à te voir ici. À notre connaissance, il n'y a pas de fragments de Dalamud qui correspondent à ce qu'on cherche en Ghirabania. Yem Dako. Donc, nous voilà au service de Gridania. À la Migo n'est pas loin. Et puis on s'est dit que vous alliez manquer de combattants en première ligne. J'ai l'un de mes servants qui m'a ramené une fondue au fromage. Mais il est gentil ton servant. Tu partages ? Tu es bien au fait de nos faiblesses. Merci, Lise. Même si ça remonte un peu, j'en ai passé du temps à l'ombre de ces arbres, en compagnie des héritiers. Donc, les spécificités de Gridania et de sa forêt, ça me connaît. Dans ce cas, c'est avec plaisir que nous acceptons l'aide d'Alamigo. Commençons par faire le point, si tu le veux bien. On va y arriver. Je te le promets, Papa Liman. Pendant ce temps, dans les hautes terres du Coertas central. Imane. Ah, te voilà enfin. Qu'est-ce que tu fabriques ? Ils se sont déjà tous rassemblés, tu sais. Qu'est-ce que c'est ? Un dragon ? Pendant ce temps, à l'entorse. Voilà ce que m'ont demandé la Coalition Orientale et le Seigneur Lolorito. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait dénicher ces reliques, ce serait vous, mes amis de la Confédération. Tiens donc. Hein ? Encore qu'il est là aussi ? Tant mieux après tout. J'avais justement quelque chose à vous demander. Mmh.
C'est bien, du coup on revoit tout le monde. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien, t'as vu? On attend Aya. J'ai presque fini, je crois. Hein? Ah, presque fini. Ah oui, non, t'inquiète, hein, y a le temps. Hein. C'est pas comme si c'était la fin du monde. Moi je dis, hein, si la planète elle fait poum, c'est la faute à Aya. Tant pis. Si les petits lapins seront grillés sur place, ce sera la faute à Aya. Tant pis. Attendez, j'ai mon chat qui est en train de me griffer les cuisses là. Tu tires tes griffes. Voilà. Merci. C'est gentil. C'est bon, on reprend. Petite Charnaillon, grand exode. Vous manquera-t-il quoi que ce soit d'autre pour terminer le réacteur à hétérodégénérescence une fois que nous aurons reçu assez d'hexadamantium et de reliques sacrées pour satisfaire vos besoins? Car si c'est le cas, sachez que nous sommes à votre disposition. Faudra que je juge sur pièce. Tout dépendra de la quantité et de la qualité des matériaux qu'on me fournira. Quoique, si, il y a bien quelque chose. Le vaisseau et plus particulièrement son réacteur sont basés sur la technologie alagoise. Alors un second avis à ce sujet ne serait pas de trop. Je me demande si on va pas aller à Zisla d'ailleurs. Toi, le rouquin, t'as l'air d'en connaître un bout, non? Tu pourrais me filer un coup de main si tu sais pas quoi faire de tes 10 doigts. Gras, de quoi s'occuper. Que dirais-tu de se rendre nous aussi utiles en attendant? Nous pourrions aider aux préparatifs de l'Exode. Et oui, je sais que cela va un peu au-delà de ce que nous avons promis au Conseil. Mais même ses membres comprendront que mettre la main à la pâte vaut mieux que de se tourner les pouces. Si évacuation il y a, nous devons tout faire pour qu'elle se déroule sans accroc et dans le calme. Ah, des gens qui ont la gagne. Ça fait plaisir à voir. Je vous conseille d'aller jeter un œil au nord d'ici. Vous verrez, à 3 blocs d'ici, vous tomberez sur une sorte de hameau qu'on appelle la Petite Charlaillon. C'est là que logent tous ceux qui bossent sur le Grand Exode. Je vous garantis qu'aucun d'eux n'est désœuvré. Alors ils sauront vous occuper. Allons-y tout de suite. Tight, c'est par là. Désolé, arrive. Non, il n'y a pas de souci. J'attends de savoir si tu prends ton dada ou si tu montes. Vas-y, j'arrive. D'accord, alors on y va. Je suis encore te rattraper. Quoi qu'en vrai, il y a mieux. Comment ça, il y a mieux? Ah oui, non, vous l'avez pas débloqué. Mais non, oui. Non, oui. Gros. On va suivre le chemin. Ah, c'est le chemin. Il est moche en tout cas lui, hein. Je vais pas balancer, mais c'est comme ça coup au réveil, hein. Oh, voilà. Oh putain. Cherche la merde, toi. J'ai rien dit. Oui, oui. Vous n'avez aucune preuve. Mais, sale gosse, hein, putain. J'ai vu un ours. Ouais.
Ouais. Énorme leur petite charlayant. Bien plus de chercheurs et d'ouvriers doivent travailler ici que je l'imaginais. On doit être entouré de génies. J'ignore en quoi on va pouvoir aider toutes ces têtes. Mais s'il leur faut un vent nouveau, comme l'a dit Messire Montichaigne, je me ferai un plaisir de leur souffler. Commençons par faire le tour pour savoir ce qui turlupine tous ces gens. Ça nous permettra de nous faire une meilleure idée de leur situation. Nous n'aurons qu'à nous retrouver plus tard sur la place de l'Éthéride pour en discuter. Allons-y. Grou, tu ne dis rien. Non mais ça compte par les terribles quand même. Aïe aïe aïe. On peut pas rentrer. Là, j'ai trouvé ici. Silken Green. Hein ? Votre tête ne me dit rien. Vous êtes de nouveau prisonnier de la petite Charnayan ? Si c'est le cas, bienvenue. Ouais, je suis prisonnier, oui. Vous filez un coup de main sur le réacteur à hétérodégénérescence ? Ça ne me surprend pas, on ne parle que de ça. C'est la dernière pièce du puzzle, et elle refuse de s'emboîter. Je dis dernière, mais il me reste encore une montagne de travail. Je valide et achemine des spécimens d'animaux ou de plantes de jour comme de nuit. Vous m'avez surprise au milieu de l'une de mes plus rares pauses. Les membres du conseil sont à plaindre aussi. Les pauvres doivent déterminer l'ordre de priorité pour l'évacuation. Vous imaginez le casse-tête politique et logistique. Franchement, je n'ai en plus, il fait une voix de femme. C'est une femme ? Oui. Eh ben, tu doubleras un et puis voilà. Franchement, je n'ai que de l'admiration pour Messire Fourchenot. C'est à croire qu'il ne dort jamais. J'espère toutefois que tout ce stress ne le rattrapera pas. Et puis ça va, gros. Moi, je suis triste. Moi, je travaille pas assez. Vas-y, tu feras celui-là. Comment ça avance ? Eh bien, le réacteur du vaisseau, mis à part, on tient le bon bout, mine de rien. Non, tout ce que je déplore, c'est qu'on n'ait pas fini le travail un peu plus tôt. À cause de notre retard, l'apocalypse a frappé certaines régions avant même qu'on soit en mesure de les évacuer correctement. Comme vous devez le savoir, ce projet ne date pas d'hier, alors ces échecs sont d'autant plus accablants que chacun d'entre nous porte les espoirs de ses prédécesseurs. Toutes ces pertes humaines sont bien regrettables, mais nous les pleurerons plus tard. Pour le moment, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, afin que personne ne subisse le même sort. Bah oui, hein. Oui, ou le dernier... Il va... Poltizan. Un coup de main ? Non merci, je m'occupe surtout de la paperasse en ce moment, alors vous ne serez pas en mesure de m'aider. Mon rôle est de m'assurer que nous serons en mesure de remodeler l'environnement de la Lune ou de notre future planète de manière à satisfaire nos besoins. Cela relèverait de l'utopie sans le soutien de nos mystérieux collaborateurs, bien sûr. Et encore, ils nous ont transmis de précieuses informations au fil des années, mais nous ignorons toujours tant sur la Lune et sur l'espace. À commencer par l'apparence de nos collègues Sélénia. J'ai si peur d'être choquée en les découvrant. S'ils pouvaient être aussi mignons que le lapin que j'ai croisé tout à l'heure, ce serait parfait. Enfin, faut pas se leurrer. Si tu savais. Bah, c'est des lapins. Si tu savais. Ah, eh.
Oh Claire. Bonjour Claire. Alors, il faut retourner. Attends, tac. Là-bas. Allez, j'y vais parce que sinon, il y a les dames, elles vont crier et tout. Et moi, je suis. Quand même, hein, faut pas qu'elles crient. Hein, t'imagines si elles crient. T'imagines. Je suis déjà assez malheureux comme ça. Hein. La place de la terre. Ah oui, c'est là-bas. C'est qu'elle va là, madame. Pourquoi tu veux rentrer chez les gens, toi? Dis donc. Tu veux refaire les pimpins, Yaya? Oui. Oui, fais les pimpins. Hein, de quoi? Ah oui. C'est elle qui fait les pimpins. Bah oui, bien sûr que c'est elle qui fait les pimpins. Tiens, comment on se retrouve, Mia? Des membres du conseil de Charlayan nous ont accompagnés jusqu'à cette version miniature de leur cité afin que nous inspections vos installations, à commencer par votre vaisseau spatial. Nous avons hâte de découvrir tout ça, c'est moi qui vous le dis. On ne pouvait malheureusement pas demander au conseil une visite guidée. Nous savons à quel point les Charlayanais sont tous très occupés. Coup de chance, Orient Géno. Et vous nous avez rejoint. Deux personnes à la serviabilité légendaire. Je serais donc heureux si vous acceptiez de nous faire le tour de ce labyrinthe. Du labyrinthos. Oui, bien sûr. On connaît à peine l'endroit, mais bien sûr, on va faire le guide. Mener une visite guidée du labyrinthos pourrait se révéler plus profitable qu'on ne le pense. Les Charlayanais ignorent beaucoup de l'environnement qui les attend sur la Lune. A l'inverse, les Loporites étudient notre monde depuis des millénaires. Si l'un des deux parties doit tout savoir de l'autre, autant que ce soit ces derniers. Je me dévouerai bien pour accomplir cette tâche, mais j'ai peur d'entacher de partialité leur expérience en devenant leur unique source d'information. Accepteriez-vous de vous joindre à nous, Selem? De guide pour le printemps. Moi, il y a le gros machin là-bas qui m'intrigue. Quel entrain. Allez, dépêchons-nous de satisfaire ta curiosité. C'est quoi le gros engin? C'est quoi? C'est quoi le gros engin? Attendez, moi on me donne de la nourriture. Elle veut. Hitler veut vous en donner aussi, mais vous partez. Bah partez les gens, partez. Du jus de raisin. Oh, c'est gentil. Ah, ça change du jus d'orange. J'avoue. J'espère que je vais pas être ivre par contre, hein, parce que sinon je vais me faire engueuler. Hein. T'imagines si je me fais engueuler parce que du coup je suis bourré? Bah super. Mais quoi, bah super? C'est fait par mes mimines. Oh. Alors je te promets de les utiliser demain pour les daily. Regardez le petit chien qui court là-bas. Ah purée, j'avais oublié leur chanson. On a l'habitude des grandes structures sur la Lune, mais les vôtres impressionnent aussi. Et c'est si haut que ça me donne le tournis. Venez Mina, on va faire le tour des bâtiments du coin et essayer de deviner à quoi ils servent. N'a que ça à foutre, tu sais. Ouais, c'est pas comme si c'était la fin du monde, hein. C'est trop ça. Du coup, je t'ai coupé, pardon, tu disais. De quoi? Non. Non, tu m'as pas coupé. Vous visez quoi? Structure abritant les réservoirs. Les gros cylindres, là. Allez. Difficile à dire ici, mais on dirait que ces réservoirs sont reliés par un tube circulaire au-dessus. Ici, on observe par la fenêtre, on peut même distinguer une cuve dans laquelle les réservoirs déversent leur contenu. Cet agencement ressemble fort à une station d'épuration. Tiens bon. Chapuire. Alors ensuite... Tout à droite, il y a le tube et le champignon. Structure en forme de champignon, ouais. Allez. Oh,
je reconnais ça. C'est un énorme arbre, comme ceux qu'on a dans la garenne Serper. C'est un Serper truc. Comment ça, non ? Oh, maintenant que vous le dites, non seulement il est bien trop grand, mais à la base est plus étroite que le sommet. Je sais, c'est un réservoir en hauteur qui permet de distribuer l'eau sous pression en aval. Un château d'eau en forme de champignon, ok ? Et juste à côté, il y a le tube. Ouais. Ce grand tuyau plonge derrière le rempart, et je crois bien entendre de l'eau. Peut-être une source ? Au sommet, on dirait une grande roue... qu'une grande roue actionne un piston à l'intérieur. Je vous parie qu'il y a une hélice à l'intérieur du tube pour permettre de pomper l'eau à la source en contrebas. Pomper ! Et les Shadocks, pomper ! Pomper ! Pomper ! Pomper ! Pomper la potionne, pomper la... C'était plein de petits papas. Avec leur petite queue, là. Donc, si je résume... Il puise de l'eau grâce à une machine à vapeur, l'assainisse, puis la stocke dans un château d'eau. Lorsque l'eau est utilisée, elle retourne à la terre pour être puisée de nouveau. C'est le cycle de l'eau dans le labyrinthe. Cette approche peut sembler primitive, mais sa mise en œuvre simple lui donnerait un certain avantage sur des terres fraîchement colonisées où tout resterait à faire. Cette immense installation, de son emplacement à son agencement, a été entièrement pensée autour d'un besoin en eau. C'est plutôt comme ils ont chassé la tête. Cependant, je suppose que tout le monde n'y a pas accès facilement, si facilement sur Eteris. Comment font les humains pour vivre dans des régions arides, par exemple ? Je connais un village dans le Tananan qui s'est développé autour d'une oasis. On dirait un bagnail et une étendue où des humains se sont installés au pied d'une cascade. Oui, je mets le premier. Allez, le premier. C'est bien ce que je me disais. Les humains ont non seulement besoin d'eau, mais en grande quantité. Tu me fais peur, là. Ça va aller avec ce qu'on a prévu. Ils ne mourront pas de soif sur la Lune. Mais si l'eau fait partie intégrante de leur culture et qu'ils s'en servent partout, on va avoir un problème. En effet, nous ferions bien d'en discuter plus en détail avec eux, afin d'augmenter notre production en conséquence. Ils pourraient d'ailleurs nous renseigner sur leur méthode d'extraction. Alfino nous expliquait justement tout à l'heure que la régulation climatique du Labyrinthe s'effectuait au Logisticon Alpha. Peut-être trouverez-vous vos réponses là-bas ? Un système de régulation climatique ? Il faut à tout prix que je vois ça. Dans ce cas, quittons la petite Charlayan et dirigeons-nous vers le sud. Hein ? On va devoir sortir d'ici ? On risque d'y laisser une oreille. En venant, nous avons constaté que les animaux qui gambadaient en liberté à l'extérieur de ce hameau ont un appétit prononcé pour les loporites. Oh, ma petite méthode. J'en ignore la raison, mais ce qui est certain, c'est que nous ne serions pas arrivés ici en un seul morceau, sans la protection de ceux qui travaillent ici. De toute évidence, la faune locale doit voir en vous des proies goûtues. Mais n'ayez aucune inquiétude. Plutôt que de vous retrouver au Logisticon Alpha, nous allons vous y escorter. Qu'en dites-vous, Selem ? Je pourrais me charger de Living Way et Cooking Way, et vous de Singing Way et Growing Way. Et pourquoi deux par deux ? Pourquoi tu peux pas prendre les quatre ? C'est comme les gosses. Oh, mais j'ai une drôle d'image en tête. Urgence. Tiens bien la main. Hein. Urgence. Papa des quatre lapins, quoi. Très bien. Avec un tel cortège, leur sécurité me semble assurée. A tout de suite. Non, mais. On compte sur vous, Mia. Ouvrez la marche. On va détaler comme des lapins. En avant vers le régulateur climatique. Et nous, on détale comme des lapins, tu sais. Et on se casse.
Il y a Claire qui détale comme une lapine aussi. Ah là là. Je fais le taxi, hein, parce que sinon je me fais engueuler. C'est pas vrai. Là, pour le coup, j'invente. Mais je me ferai quand même engueuler après. C'est pas grave, je bataille toute seule. Vas-y, Aya! Ah bah, en plus, il faut les tuer, alors. Enfin, là, c'est plutôt convenu, mais... Oula, Claire. Mais non. Ouh, t'as pris cher, Claire. Annette. Faut parler à Crowingway. Je vous dois une fière carotte. Sans vous, on ne serait jamais sorti vivant. N'empêche, ce petit fumet de danger qui se dégage de vos bois leur apporte un charme particulier qu'on ne retrouve pas dans la garenne serpentrue. Vampirivante. Je le prendrai en compte lors de ma prochaine révision. Mais trêve de bavardage, dépêchons-nous de quitter cet endroit. J'ai changé de classe, c'est rien, tu nous as fait peur, hein, quand même. Passer de cuisinière en... Hein, quand même. Les pimpins, ils sont partis. Ouais, on va les bouffer. Troll perdu. C'est là, hein. Aya. Quoi ? C'est quoi ? Là, hein. De quoi, là ? Mais y a rien, là, non, c'est pas... C'est ta quête, ça. Ah ? Ah, oh, bah... Moi, je sais pas, moi, je vois des trucs. Ah non, mais c'est pour une autre quête. Que t'as pris. Mais gros ! Aïe, aïe, aïe. Voilà, je me fais engueuler, c'est ce que je disais. Il est drôle, le troll, quand même. Vous êtes où? Ouh là là, vous êtes loin. Mais non. Merci, Claire, pour le coup de patte. Hein. Oh, y a un gros monstre qui me suit derrière. Au secours. Scrouille. Bien, nous revoilà au complet. Voici la base de l'imposant logistique en alpha. La partie qui nous intéresse se trouve à l'intérieur, du côté du circuit médian. Nous allons donc emprunter l'ascenseur là-bas pour nous y rendre. Suivez-moi. J'adore ce petit mouton là. Je veux ce petit mouton aussi. Je le veux sur l'Inchi. J'ai level up. Enfin, le Logisticon Alpha et son système de contrôle climatique. J'ai hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir m'apprendre sur la régénération. Mine de rien, c'est bien plus ardu de réguler son environnement dans l'espace. On n'a que du vide à disposition, alors en cas de pépin, difficile de prendre un bon bol d'air pour se rafraîchir les idées. Vous n'avez pas idée de toutes les conditions qui ont dû être réunies pour permettre à la vie d'abonder sur Eternis. Votre présence sur cette planète révèle du miracle. Il est grand temps d'explorer cet endroit de fond en comble. On te voit, hein, Killery. On te voit. C'est une fougère. Je fais la fougère. Dites, je comprends l'importance de la météo, du climat et tout le temps, mais moi, c'est votre nourriture qui m'intéresse. Gros morphale. Vous pouvez m'emmener quelque part en rapport avec ça, s'il vous plaît. Le laboratoire agronomique de Meria se trouve près d'ici et devrait pouvoir satisfaire ta curiosité. C'est faux, je suis caché, bien sûr. Pourriez-vous guider Cookingway jusque là-bas, Selem? Pendant ce temps, je resterai avec les autres pour les épauler dans leurs recherches.
Durant son court séjour sur la Lune, Uriangé nous a appris que la cuisine n'était pas un moyen de survie, mais qu'elle révélait aussi de vos traditions. Il a appelé ça la gastronomie, je crois. Le seul moyen d'y prendre part de la comprendre serait de goûter à toutes sortes d'aliments. Je dois m'empresser de faire l'expérience avant que l'apocalypse rase ce pan de votre culture. Je vous renouvelle ça, Mia. J'imagine qu'on doit d'abord sortir de ce bâtiment. Je vous attends à l'extérieur. Miaou. Va vite, le pimpin. Ah, t'as vu, hein, pour bouffer, hein. Il est comme moi. Oh, c'est par là, non? Je sais pas s'il faut ressortir. Peut-être ressortir. Hein. Ouais, il y a une porte là. Ah oui. On me suit. Le pauvre Pimpin tout seul sous la pluie. Alors voilà le laboratoire agronomique de Mérial. Je reconnais certaines plantes ici. Je les ai déjà vues en dessin dans nos documents. Oh, 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 je veux goûter à tout. Mais... Ah, mais soyons polis et demandons la permission aux responsables avant. J'ai entendu dire que vos fermiers ne rigolaient pas avec ceux qui saccagent leurs champs. Le seul ennui, c'est que je ne sais pas trop à qui m'adresser. Vous auriez peut-être une idée? Je vous laisse me guider. Ouais, voilà, il va nous suivre. Claire, c'est pas bien de polluer, hein. Je sais que c'est la fin du monde, mais quand même, hein. Du coup, on stoppe après cette quête? Il est quelle heure? Ah oui, j'avais pas vu l'heure, tiens. Bah écoute, ça oui. Ça vite, hein. Ça dure vite quand on s'amuse. Quel gâchis de laisser tout ça ici. Eh, mais je vous reconnais. Vous êtes de ceux qui étaient passés par la 33e facette juste pour éviter l'ascenseur. Vous vous souvenez de moi, Diebke, le responsable de ce laboratoire. J'admire toujours autant votre cran, mais désolé, je n'ai pas le temps de discuter aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'avec le grand exode qui se prépare, c'est le grand chambardement ici. Du plus modeste ouvrier au plus éminent scientifique, aucun de nous n'avait idée que notre travail de préservation allait servir à relocaliser l'humanité sur une autre planète. La plupart d'entre nous essayaient encore tant bien que mal d'avaler la pilule du conseil. Vous voulez dire que vous hésitez à venir vous réfugier avec nous sur la lutte? Tout le monde tient la vie, évidemment, mais... Comment dire? Le conseil peut échafauder autant de plans minutieux qu'il veut, ça ne changera rien au fait que nous n'aurons jamais le temps de transporter tous les êtres vivants d'Aidolin. Et quand bien même, rien ne nous dit que les conditions seront réunies sur notre planète d'accueil pour que chaque espèce puisse s'y épanouir. Mon cœur saigne quand je pense au sacrifice nécessaire qui s'annonce. Enfin, vous n'êtes pas venu là pour écouter mes apitoiements. Dites-moi plutôt en quoi je peux vous aider. Ah, oui. Je m'intéresse à la nourriture humaine, alors j'espérais pouvoir goûter des ingrédients que vous cultivez ici. Vu les enjeux qu'on nous a révélés, on ne peut plus se permettre de les gaspiller. Mais bon, vous avez fait le déplacement malgré les circonstances, et ça semble important. Alors c'est d'accord. Prenez juste des portions raisonnables. Merci beaucoup, monsieur. Je prendrai bien le temps de mâcher pour me concentrer sur une seule bouchée. Venez, Mia, faisons le tour des parcelles et goûtons à tout. YOLO. Je vais en profiter, je vais prendre la quête. Le même qu'on attend. Hein. Et... Ah. Et... Ah. T'as qu'à dire au Micote là de parler plus vite. Allô. Ah, je connais ça. Des petites boules qui poussent en grappe, on appelle ça des raisins, n'est-ce pas? J'en ai déjà vu en illustration pour donner un exemple de fruit.
Bien, bien, bien. Cueillons-en un grain. Oui, Aya m'en a dessiné. Et puis Kilri m'en a donné. C'est ça. Votre raisin est sucré et acide à la fois, comme nos carottes de la vivacité. Non, attendez, ce n'est pas du tout. Je sens une pointe d'âpreté. Elle vient de la peau, peut-être. Fascinant. En tout cas, allez, un deuxième grain pour la... Il va tout bouffer. Non. Miam, quelle découverte. Et vous, au fait, vous aimez le raisin? Oui. Ah bah oui, j'adore. J'adore. Vous trouvez les raisins si bons que ça? Pas étonnant qu'ils illustraient les fruits dans notre dictionnaire, alors. Merci de m'avoir donné votre point de vue. Que diriez-vous d'aller jeter un œil à cet arbre un peu plus loin? Il m'intrigue. Un pommier. Ah non. Des oranges. Un fruit rond, orange. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, c'est une orange. Je sais, je suis incollable. Allez, si je me souviens bien, il faut d'abord peler son épaisse peau avant de croquer dedans. Non. Mais c'est délicieux! Comment c'est possible une chose pareille? Son jus est à la fois doux et acide, comme nos carottes de la vivacité, ou le raisin de tout à l'heure, mais sans qu'on n'a rien à voir. Je dirais même qu'il est encore meilleur. Et Thérys recèle des saveurs en tout genre, toutes plus subtiles les unes que les autres. Et chaque humain a ses préférences. Je crois que je commence à comprendre l'effroi que vous avez ressenti lorsque vous vous aviez dit... lorsqu'on vous a dit qu'il n'y aurait que des carottes au menu. Mais gardons mes conclusions pour plus tard. Il nous reste encore plusieurs parcelles à inspecter. Voyons voir ce qu'il cultive de beau là-bas. Des épinards. C'est pas des potirons? Si, c'est ça. Je suis Troy. Que vois-je? Une variété de carottes que je ne connais pas? Je n'en ai jamais vu d'aussi grosses. En plus, on dirait qu'elles ont poussé à l'envers. Vous croyez qu'il ne s'agit pas d'une carotte? Pourtant, ça y ressemble bien. Bon, pas le choix. Quand faut croquer, faut croquer. Non. Eh ben ça alors, ma première déception. On est loin d'un raisin encore plus de l'orange. Ils sont vraiment loupés sur cette variété de carottes. Dites donc, c'est comme ça qu'on parle de mes potirons. Ah non, merde, pardon. C'est le boulet de sa cou. Désolé. Je croyais que c'était encore le lapin. Ah, dis donc, c'est comme ça qu'on parle de mes potirons? Je vais t'en faire voir des carottes, moi. Forcément, si tu mords à plein de dents dedans, tu vas leur trouver une texture dure comme du bois et un goût terreux. Ça dépend des variétés, mais cela, faut les faire bouillir ou ruisseler à la poêle. C'est seulement ainsi qu'ils te révéleront toutes leurs saveurs. Ah bon? On peut pas les manger ainsi? Attends, ça dirait qu'il est belge. Pardon, on ne trouverait... Vous ne pas ça embêtant d'avoir à les préparer avant de les servir? Mais non, c'est l'affaire de quelques minutes. Enfin, beaucoup de charlayanais te diront que même ça, c'est trop de temps perdu. Cuisiner ces aliments permet d'élargir sa palette de choix, parce que certains ne sont comestibles qu'une fois cuits. Rien de tel pour un apport en nutriments équilibré. Les potirons mijotés à petit feu, il n'y a que ça de vrai, si tu veux mon avis. Mes parents en incorporaient à chacun de nos repas lorsque j'étais petite. Dès que j'en voyais dans mon assiette, je savais que j'allais me régaler. Je vois. Cuisiner des aliments en apparence peu alléchant peut donc leur permettre d'égaler un goût divin de cette orange dans laquelle j'ai croqué tout à l'heure. On en apprend tous les jours. J'aimerais aller voir les arbres de la parcelle voisine d'un peu plus près, s'il vous plaît. Leurs fruits ressemblent à des oranges, donc ils doivent être délicieux aussi. Alors, je tiens juste à faire remarquer que la seule phrase que du coup Sakou avait à dire, hein, c'est une femme qui râle. Hein? Voilà. C'est tout. Non, mais c'est my bad, je lis pas suffisamment les titres. Hein, du coup, j'avais pas vu qu'il y avait un autre PNJ à côté. Ça m'arrive.
Quelle senteur fraîche et intense. J'en ai déjà de l'eau à la bouche. Des citrons. Allez, je pèle ça. Et hop, à table. Oui, il va pas y aimer. Nom, nom, nom. Du poison, quelle idée de cultiver un fruit aussi dangereux. Un citron, vous dites? Un fruit amer? Mais comment les humains peuvent manger un truc pareil? Ça devrait être un crime de mettre ça dans une assiette. Désolé, mais je ne vois vraiment pas ce que vous le trouvez à ces citrons. Heureusement que j'ai terminé ma séance de dégustation là-dessus. Je me sens plus malangue. Sur cet échec cuisant, je vous propose de saluer une dernière fois Monsieur Jepke avant de rejoindre les autres sur le Logisticon Alpha. Oh. Pauvre Pimpin, GG level up, Yari. Ah, bon voilà. Alors, le festival de saveurs vous a plu? Eh bien, j'ai trouvé votre raisin et vos oranges délicieux. Quant à vos potirons, ils m'ont permis de porter un regard nouveau sur la cuisine. Je dois par contre m'avouer déçu par vos citrons. Rien que d'y penser, ma langue se rétracte et mes sourcils se froncent. Tu n'avais jamais goûté un citron? Je comprends mieux ta réaction. Je ne peux pas te laisser repartir sur une telle déception. Je comptais dévorer quelques muffins au citron fait maison en guise de casse-croûte. Tu en veux un? Des muffins au citron, c'est sans façon jeu. J'ai déjà trop mangé en faisant tout le tour de vos cultures, vous savez. Non, Cooking Way, c'est ton devoir d'étudier la gastronomie des Terris. J'accepte volontiers votre muffin, monsieur Jepke. Pour la science. Moi, il faudrait que je sorte cette excuse, moi. Vous devez me nourrir, c'est pour la science. J'avoue. Incroyable! Ce gâteau est un véritable délice! C'est sûr que c'est mieux que des carottes. Hein. Il est sucré, moelleux à souhait, et sublimé par la saveur du citron qui le rend plus léger. On ne sent plus l'amertume du fruit empoisonné, mais juste un peu son petit côté acide et frais. Ah, tu vois, ils ne sont pas si méchants nos citrons, quand on sait où et comment les utiliser. Des fruits et des légumes, il en existe de toutes les formes et toutes les couleurs. On les cultive pour leur goût unique, leur résistance aux parasites ou leur capacité à s'épanouir dans des environnements hostiles. Certains servent même à créer des médicaments et à sauver des vies. Quand je pense qu'on va devoir en laisser la majeure partie ici, je comprends le dilemme auquel le conseil est confronté, mais ça ne m'en déchire pas moins le cœur. Vos efforts pour cultiver un peu de tout me rappellent cette force de vivre qu'Aideline souhaitait que les humains puissent un jour trouver. Si vous vous souvenez bien, quand Aideline nous a créés, elle nous a aussi transmis son immense savoir sur l'univers. Ne me demandez pas pourquoi, mais il incluait une théorie, sur l'apparition et le déclin des espèces pesantes, pensantes. Elle suppose qu'au-delà d'un certain degré de développement, toutes les civilisations se mettent en quête de plénitude en tentant d'éliminer toute source de malheur. Lui sait que cette étape serait incroyablement difficile à franchir. Les anciens appelaient ça le grand filtre. C'était ça, hein? C'est ça. Pardon. Je commence à bugger. Il faudrait que je vous donne un exemple concret. Prenez une carotte qui contiendrait tous les nutriments nécessaires et satisferait les goûts de tout le monde. Bref, une carotte parfaite. D'après cette théorie, elle serait inatteignable. Car plus on tenterait de développer cette variété, plus on en aurait besoin de moyens. Et on devrait les voler ailleurs ou sacrifier autre chose en échange. Eh bien, il en va de même pour les civilisations qui recherchent la plénitude. La seule solution pour les êtres pensant de franchir ce grand filtre serait alors d'aspirer à un bonheur imparfait ou inconstant.
La carotte parfaite n'est pas de ce monde, alors autant lui préférer un bon ragoût au potiron qui prend du temps à cuisiner, ou un muffin préparé avec des citrons immangeables tout seul. Cuisinons le monde. tu me rappelles ton nom, grand sage ? Oh, désolé, je ne m'étais pas présenté. Mon nom est Cooking Way. Je suis un des loporites venus de la Lune pour vous aider à évacuer. J'aimerais vous faire goûter mes carottes quand vous aurez déménagé chez nous, même si j'ai de toute évidence encore beaucoup à apprendre pour vous régaler. J'ignore comment les préparatifs avancent, mais j'espère que vous pourrez emprunter un maximum de graines en tout genre avec vous. Moi aussi, Cooking Way. Moi aussi. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais Ryanger et mes collègues doivent nous attendre. Rentrons au Logisticon Alpha, si vous voulez bien. Bye bye. Bye. On s'arrête ici. On a la quête à rendre là. Puis c'est bon. Ok. Non, parce que si jamais il y a encore de longs dialogues. Bon, je pense pas, non. Je pense pas. Juste la quête à rendre. Ok, alors on y va. Elle nous ferme la porte au nez, t'as vu? Quelle honte! La fougère, elle est partie! Merci beaucoup de m'avoir accompagné au laboratoire agronomique. Notre visite a été courte, mais j'ai appris énormément. J'ai énormément appris. Au fait, je me suis demandé sur le chemin du retour. Vous avez dégusté toutes sortes de plats sur Eteris. Il y en a qui surpassent les muffins au citron de Monsieur Jepke, vous pensez? À l'Imsilominsa, la ville des fins gourmets, sans aucun doute, je préfère la cuisine orientale, ses saveurs sont très différentes. Pff, n'importe. Hein. J'ai mis l'Imsa, moi. Allez, l'Imsa. C'est bien ce que je pensais. Plus je partage ces petits plaisirs avec vous, plus comme vous, j'aimerais pouvoir sauver cette planète au lieu de l'abandonner à son triste sort. Malheureusement, les ordres d'Aideline sont catégoriques. Nous devons fuir l'apocalypse. Si seulement il y avait une autre solution. Il y en a une. Ah, bon, ben voilà. Et du coup, c'est petit problème à la petite charnaille hein, la prochaine fois. Ouais. Peut-être qu'on aura le donjon la prochaine fois. Ouais, donjon! Il est quel niveau le 88. Donc oui, hein, il y a de fortes chances. On a quoi là Oui, 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 la prochaine fois, oui, on aura le donjon. Bah si on avance bien, oui. Au Japon. Effectivement, on a un peu plus de temps. Non, on va se mettre là. Aïe aïe aïe. Aïe, tu viens? Oui. On est là. Hein? On est là, à ta droite. Oui. Bon, ben les gens. On s'arrête ici pour ce soir. On aura avancé, on aura eu de belles cinématiques pour la fin d'Elpis.
Du coup, là, dimanche, du coup, on aura certainement un donjon. Oui, là, on est 88, donc on aura certainement un donjon. Vu que ce sera 89. Et puis, on saura la suite. La suite dans quelques jours. Vous avez fini, oui. Aya, Saku, merci. Mais de rien. Voilà, au lieu de faire les sauvages. Vous voyez ce que je suis obligé de subir. Hein, vous voyez, hein, c'était pas des mensonges, hein, vous voyez. Et du coup, ben, à dimanche. Hein, dimanche, on continue, on aura un peu plus de temps. Et puis, on verra où est-ce que ça nous mènera. On va partir dans l'espace. Peut-être. On verra. Mais je pense qu'on va revoir Météion. Ah bon? Ah bah oui. Ah bon? Dimanche, oui, il y a de fortes chances. Vu la tournure des événements, on va la revoir. Enfin, on va la revoir dimanche, je veux dire. On va surtout parler à des scientifiques. Tu te rappelles, ça, quoi? Oui, je me souviens. La putain. Voir, ça cache des petite trucs. Scène un petit peu larmoyante. Ah oui, non, mais juste avant, tu sais, quand il faut que tu les trouves. Ah oui, ça aussi. Oh putain. Horrible ce passage. Oh, c'était chiant. Ça va, on va être trois pour trouver. On mettra des marqueurs. Oui. Si a... Ah non. Et après, on part aujourd'hui. Ah, c'était chiant ça. De chercher. Ouais. Bon, bah, on verra ça dimanche. Heure, là. On verra ça dimanche. Ouais. Bon. Ah, puis la musique là, elle est cool, mais la voir en boucle. Ouais, j'avoue qu'au bout d'un moment, ça va. Surtout que Quand je faisais l'épopée, au bout d'un moment, je l'ai enlevé. Hein, me casser trop les couilles. Bah, au pire, vous pouvez la couper. Hein, dimanche. Oui. Bon, Kilri, Yari, Ivy, Willa aussi, merci d'être venu. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous vendredi chez Saku pour son stream. Et puis et nous peut-être samedi, sinon dimanche sûr pour la suite de l'épopée. Aya, je sais pas quand est-ce que tu stream. Demain. Demain. Je reprends demain, ça y est. Tu reprends. Et voilà. Pas demain. Donc voilà, allez voir Aya. Aya Yurt. D'ailleurs, c'est quand que tu remets ton pseudo 1er janvier. Elle va nous donner faim encore pendant un mois. Bref, passez une bonne soirée, portez-vous bien et puis à la prochaine. Ciao. Bye bye. Bonne nuit. Arrête de faire ta rebelle, toi.